Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de Ça Discute. Bonsoir, merci pour nous inviter. Bonsoir, merci de nous recevoir. Jusqu'où peut-on aller par amour pour ses enfants? Ceux qui l'ont vécu disent que l'arrivée au monde d'un enfant est sans doute la plus grande émotion que l'on puisse connaître dans sa vie. Et d'ailleurs, avant même la naissance, les parents fantasment déjà. Ce bambin sera beau, forcément beau, il sera intelligent, forcément intelligent, il sera heureux et fera donc le bonheur de ses parents. Pourtant, avec le temps, on s'aperçoit souvent ou parfois que l'enfant n'est pas parfait et que la vie ne l'est pas non plus. La maladie, par exemple, l'empêche de grandir comme les autres. La drogue ou l'alcool le conduit à la déchéance. La misère ou l'arbitraire d'une loi interdisent aux parents de l'élever comme ils le souhaiteraient. Certains parents renoncent, abandonnent, baissent les bras. D'autres, en revanche, face aux tourments et aux épreuves qui n'étaient pas prévues au programme, instinctivement se dévouent corps et âme pour sauver leur enfant, parfois au détriment de leur propre existence. Alors, est-ce par un instinct? Est-ce l'instinct qui parle lorsqu'on est capable de sacrifier sa propre vie pour son enfant? Faut-il renoncer à ses principes et à ses valeurs pour aider totalement ses enfants? L'amour n'impose-t-il pas aussi parfois d'être intraitable? Faut-il sacrifier sa vie de couple pour soutenir la chair de sa chair? Et puis, il faut aussi penser aux autres enfants, au reste de la fratrie. Est-ce que ces autres enfants ne vont pas en souffrir? Bref, jusqu'où peut-on aller par amour pour ses enfants? Ce sont toutes ces questions que nous allons poser à nos invités de ce soir. Je présente Paulette, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Paulette, vous avez trois filles, dont une qui est décédée il y a 8 ans d'une overdose, officiellement. Vous avez tout fait pour la sortir de sa dépendance à la drogue. Elle était héroïnomane. Oui. Vous avez mis votre vie en danger pour protéger votre fille. Oui. Protéger Caroline, qu'est-ce que ça impliquait, par exemple, pour vous, au moment où elle était vraiment au fond du trou? Ça impliquait de passer nos nuits dehors pour chercher après Caroline, puisque quand elle ne rentrait pas, quand on ne savait pas où elle était, au détriment des deux autres enfants, oui, puisque les deux autres étaient plus jeunes, quand même, Caroline étant l'aînée, ben nous allions dans les caves d'un quartier réputé chaud à Lille, avec un revolver et un fusil, parce qu'on avait peur. Un fusil qui n'était pas chargé. Un fusil qui n'était pas chargé, oui, je vous rassure, et un revolver d'alarme. Ouais. Je veux dire, le sentiment qui prédomine des parents qui ont un enfant toxicomane, c'est la peur. Et la peur pousse les parents à faire des choses très excessives. On a fait des courses-poursuites en voiture. Mon mari a démoli le capot d'une petite Renault 5 d'un dealer à coups de poing. Je veux dire, moi, je me suis retrouvée devant une porte, parce que quand on allait dans ces quartiers très chauds, je veux dire, mon mari restait dans la voiture, on ne retrouvait plus de voiture en sortant. Puis moi, j'allais taper aux portes, aux adresses que j'avais eues. Ça m'est arrivé de taper à une porte, d'avoir un type devant et de brandir mon revolver pour savoir où était ma fille, mon revolver d'alarme. Mais je veux dire, c'est des situations très, très difficiles. Auxquelles on n'est pas du tout préparé. Je ne pense pas qu'un parent, enfin que des parents qui élèvent normalement leurs gosses et, je veux dire, les enfants sont scolarisés, vont au lycée. Je ne pense pas qu'on puisse être préparé à affronter ce monde parallèle, hein, qui est le monde de la drogue. Quand on a vu que la petite n'allait pas bien, parce qu'on l'a vu ça quand même, ben, on n'a jamais pensé à la drogue, parce que ben, ça ne pouvait pas nous arriver. Quoi, oui, puis ça se confond aussi un peu avec la crise de l'adolescence, au moment où c'est arrivé, en tout cas. Mais... Caroline avait 18 ans, hein, quand elle a démarré à se droguer avec son copain, hein, qui était dealer notoire, mais bien sûr qu'on ne le savait pas. Mais je veux dire, non, on n'est pas préparé. Puis on n'est pas préparé non plus à affronter la violence, à affronter la peur. Je veux dire, la violence, on l'a affrontée tout le temps. Les dealers venaient chez nous, ils se servaient. On a été cambriolés 7 fois. Je veux dire, il y a des sentiments qui sont en nous, qu'on ignore. Je veux dire, nous, on a de la haine quand même quelquefois qui ressort quand... Même encore maintenant, bon, ça fait 8 ans et demi que ma fille est décédée, mais mon mari et moi, on a toujours un coin de haine. C'est un sentiment qu'on ne connaissait pas. Et puis une force aussi que vous avez découvert, sans doute. Mais je crois que la force... moi, je dis toujours, quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais ah, on ça, peut divorcer. Oui, ça, voilà. Ouais. Mais quand on a des enfants, on ne peut pas divorcer. Il faut assumer jusqu'au bout. Je crois que si on aime ses enfants, ben, on est prêt à tout. En fait, pour essayer de sauver l'enfant de la déchéance dans laquelle il est. Merci Paulette. Yolande est notre invitée également. Bonsoir Yolande. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes issue d'une famille catholique pratiquante. À 18 ans, vous vous êtes mariée sans savoir que votre compagnon vous mettrait sur la paille, notamment par goût du jeu. Vous avez eu 2 enfants
dont l'un était malade, et pas un sou pour les nourrir. Oui, mon fils avait la tuberculose et j'étais enceinte de ma fille. Quel sacrifice vous avez fait donc pour subvenir à leurs besoins? Ben, après avoir mangé pendant 2 mois et demi des pommes de terre crues, je me suis décidée à aller faire le trottoir parce que j'avais rencontré en début de... Donc, au moment où je me suis rendue compte que j'étais enceinte, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait le trottoir et pendant 2 mois et demi, les pommes de terre crues, et puis j'ai été la retrouver sur le trottoir. Vous habitiez dans des conditions extrêmement précaires aussi, enfin, Oui, je vivais dans un sous-pente, j'avais pas de gaz, pas d'eau, pas d'électricité, j'avais rien. Je dormais sur un matelas et mon fils, de préférence, près de moi, parce que comme ça, il avait quand même ma chaleur. Et puis, jusqu'au moment où il n'y avait plus rien du tout pour lui. Et alors, j'ai demandé à la voisine qui habitait juste en dessous pour me garder mon fils pendant que je suis allée chercher après Micheline, en espérant évidemment la retrouver sur le trottoir. À vos côtés, Pierre, Yolande. Pierre, bonsoir. Bonsoir. À la naissance de votre deuxième enfant, les médecins vous ont annoncé que votre petite fille était trisomique 21. Oui. Au bout de quelques semaines, votre femme désemparée, au bout de quelques jours ou quelques semaines ? Quelques jours. Quelques jours plutôt, votre femme désemparée a émis le souhait d'abandonner l'enfant en se disant qu'elle était incapable de l'élever. C'était votre deuxième enfant ? Oui. Oui. Comment vous avez réagi lorsque votre femme a parlé d'abandon ? Bah, quand elle a pris ce choix d'abandonner, effectivement, moi j'ai pris un autre choix simple. Mmh. Bon, simple dans le choix, c'était effectivement de divorcer avec ma femme. Si on appelle ça simple, les conséquences étaient beaucoup plus complexes. Mais le choix était vraiment tout simple pour moi. On verra que finalement, l'amour l'a emporté, oui. Que Julie a aujourd'hui 4 ans, qu'elle vit au sein de la famille, donc avec vous et votre femme, toujours. Dont vous n'avez pas divorcé. Donc, non. Et vous avez d'ailleurs depuis eu un troisième enfant. Exactement. Voilà. Denis est également notre invité. Bonsoir Denis. Bonsoir. Denis, vous avez sacrifié vous votre vie professionnelle, votre vie amoureuse également, pour voir en cachette votre petite fille Laura, qui habite en Allemagne, où elle est élevée par sa maman, qui était une rencontre d'un soir, si j'ai bien compris. Oui, c'était une rencontre de 3 semaines. Une mais rencontre bon. De 3 semaines, de 21 soirs. Donc voilà. Oui, ça. Mais qui ne souhaitait pas, en tout cas, que vous l'éleviez avec... À partir du moment où on a vu qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, on a essayé de se mettre d'accord sur une optique de vie, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc elle a dit « je rentre en Allemagne ». Vous étiez à Tokyo à l'époque. J'étais au Japon, suivre, oui. Quel âge a-t-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 8 ans. Vous l'avez vue combien de jours? Je dirais que je l'ai vue environ deux fois tous les mois pendant 8 ans, ce qui équivaut à quelque chose comme 120 heures maximum de présence physique. Ah, donc deux fois pas longtemps alors. Étant donné que lorsque j'allais la voir, c'était à l'école ou lorsqu'elle était donc dans la rue, lorsque sa mère l'accompagnait, lorsqu'elle était toute petite, sa mère l'accompagnait de la voiture à son domicile. Donc c'était les premières rencontres. Oui, c'est la voir ou l'apercevoir. C'était l'apercevoir et essayer d'établir un lien. Merci Denis. Je présente maintenant celui qui conclura notre émission de ce soir. Il est animateur, enfin un peu animateur. En tout cas, il animait tout cet été Fort Boyard sur France 2. Il est surtout comédien. Il joue actuellement au Théâtre des Nouveautés dans une pièce de Jean Barbier intitulée « Madame est sortie ». Je vous demande d'accueillir Jean-Pierre Castaldi qui est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Le papa également. Pardon ? Vous êtes également papa. J'ai un fils de 30 ans qui fait un peu le même métier. Un collègue. Un collègue. Oui. Et j'ai un fils de 12 ans, Giovanni, et une petite fille de 6 ans qui s'appelle Paola. Donc 3 enfants. 3 enfants, oui. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir jusqu'où vous iriez pour vos enfants ? Je me la suis posée intérieurement, en tous les cas une ou deux fois, oui. Comme tous les parents, j'ai été confronté à certaines étapes de la vie, à des décisions, disons, un peu brutales. Enfin, qui me paraissait brutale, à côté de ce que j'ai entendu, c'était véniel. Mmh. Mais enfin, à ce moment-là, c'était très important. Et c'est vrai que pour les études, l'éducation, la drogue, qui traîne toujours un petit peu autour des écoles, c'est comme ça que ça commence, ce sont des sujets qui sont un petit peu douloureux pour les parents. Et c'est vrai qu'on a peur. Et c'est vrai, ce qu'a dit madame, c'est qu'on ne pense pas que ça peut nous arriver. Mmh. Voilà. Voilà, vous êtes abonné quand vous le souhaitez, Jean-Pierre, du haut de votre expérience, oui, oui. Du haut de votre perchoir également, pour nous donner votre point de vue. Heureusement pour moi, j'ai eu moins de drames à vivre que les personnes que j'ai déjà entendues.
Jeannine est notre invitée. Bonsoir Jeannine. Bonsoir. Nos invités à qui nous avons consacré un reportage. Jeannine, après une rupture de 6 ans, vous avez contacté votre fils Eric pour mettre fin au conflit qui vous opposait jusqu'à présent. Et lorsque vous êtes retrouvés, vous avez découvert que votre fils avait une nouvelle identité, que Eric était devenu Claire, qui est avec nous. Bonsoir. Mm-hmm. Bonsoir Claire. Bonsoir. Vous avez immédiatement accepté son choix de devenir donc une femme, même si pour vous ça a été, j'imagine, un choc. Un choc, oui. Un très grand choc, oui. Oui, la première fois que je l'ai revue, ben, disons que vous savez, quand vous n'avez pas vu votre enfant depuis très longtemps et que vous la revoyez, bon, disons, ben, comme une femme, c'est un choc. Voilà. C'était il y a combien de temps, ça? Eh bien, ça fait 2 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez retrouvé, Claire, auprès de votre maman, le jour où vous l'avez revue? Mais j'ai simplement retrouvé une maman, c'est tout. C'est déjà pas mal. Déjà, ouais. C'est déjà pas mal. Avec une relation d'enfant à maman. On regarde un extrait de ce reportage qu'on vous a consacré. D'accord. Bon, déjà avec ça, ça sera pas mal. Déjà. Quand vous avez l'image de votre enfant, disons, en tant qu'homme, hein, c'est un homme, et puis que d'un seul coup, vous revoyez cet enfant transformé. Hein, parce que bon, elle avait déjà... Bah, que pour resituer la situation, je me suis pointé déjà avec 15 ou 20 kilos de moins. Oui, déjà. Et j'étais en mini-jupe. Déjà, oui. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un contraste quand même. Bonjour, docteur. Bonjour. Allez-y. Et l'opération, alors ça consiste en quoi? Parce que ça, Claire, ça l'a... Alors, l'opération consiste à mettre en place donc des prothèses qui donnent un résultat sur le plan esthétique qui est très satisfaisant. Mmh. C'est peut-être la première fois que j'ai la patiente en consultation avec sa maman, avec, semble-t-il, un accord ou... D'ailleurs, pratiquement, c'est un peu ce qui nous a rapprochés. Voilà. Une histoire de tolérance. De tolérance et puis d'amour aussi, parce que je pense que toutes les mamans, et même les papas, je pense, peuvent se mettre à votre place. C'est plus difficile, Claire, de se mettre à la vôtre, mais je pense que dans un monde, il faut apprendre à se connaître, et à se connaître soi-même en apprenant à connaître l'autre. Retrouver une mère, vous nous avez dit juste avant le reportage, mais qu'est-ce que vous avez vu dans les yeux de votre maman la première fois que vous l'avez revue avec votre nouvelle identité? Est-ce que vous avez vu de la tolérance, de la compréhension? Oui, absolument, oui. Oui, mm-hmm. Oui, c'était de la tolérance, de la compréhension, de l'amour surtout. Vous en doutiez? Parce que quand vous dites j'étais en mini-jupe, etc., est-ce que vous vouliez tout de suite la mettre face à la réalité, c'est ça? Oui, honnêtement, oui. Ouais. En disant que ma première démarche, c'était pour la faire culpabiliser. C'était peut-être un petit peu vache. Culpabiliser de quoi? Par rapport à tout ce que j'avais pu vivre pendant mon enfance. Par exemple? Par exemple, son incompréhension par rapport à tout ce qui s'est passé pendant 25 ans avant. Par rapport à ce désir profond et lointain de devenir justement une femme? Oui, voilà, oui, tout à fait. À partir de quel âge? Depuis l'âge de 6 ans. Vous nous raconterez ça, madame, tout à l'heure, parce que vous l'avez un petit peu vu sans pour autant le comprendre. Oui, oui. Ok, à vos côtés, Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Laurent, vous êtes papa de 2 enfants. Oui. Votre fils est atteint d'une maladie de peau qui est rare, douloureuse et qui le rend excessivement fragile. Les quelques mois qui ont suivi la naissance, vous avez eu tendance à fuir cette réalité en buvant, en jouant, plus que de raison. Cette période est aujourd'hui révolue. Quel papa êtes-vous depuis? Ben, déjà, j'ai arrêté ma carrière professionnelle. Donc, c'est moi qui élève les 2 enfants à la maison. Et ben, déjà, par rapport à Mathieu pour me racheter une conduite vis-à-vis de lui, parce que c'était un petit garçon que j'ai violenté quand même pendant 5 mois après sa naissance. Avec qui vous avez été violent? Oui. Oui, parce qu'il y a deux sens au mot violenté. Oui, tout à fait. Parce que j'en ai voulu qu'il soit né comme ça, mais en même temps, je voulais me détruire, donc j'ai effectivement accentué mon alcoolisme et le jeu pathologique. Et j'en ai voulu à l'enfant, mais... Et je m'en suis pris à lui, et maintenant, je le regrette énormément. Donc, j'essaie de me racheter une conduite vis-à-vis de lui, mais j'y arrive toujours pas. C'est-à-dire que vous vous sentez coupable? Toujours. Ouais. Toujours. Regardez ce reportage qu'on vous a consacré. Voici un extrait. Hey, quand est-ce que tu viens boire le café? Bah, quand j'aurai le temps, parce que c'est avec aussi. Le boulot. Attends, franchement, t'habites juste là. Bah, tu m'appelles de la fenêtre, tu me fais un coup. En fait, je suis connu comme une maman, quoi. Pas comme un... entre guillemets, pas comme un tombeur de ces dames. Voilà.
chercher un terme judicieux et assez sympathique. Plus connu comme une maman qu'autre chose, ouais. Eh oui. Un petit père. Un papa, il te doit bien ça? De rester avec toi à la maison. Pourquoi vous lui devez bien ça? Oh, bah, j'ai fait... Quand il est né, je dirais... J'avais déjà des problèmes avec l'alcool et le jeu. J'en voulais. Il pleurait la nuit, je comprenais pas. J'allais, au lieu de le réconforter et tout ça, au lieu de... Parce que je savais qu'il souffrait de sa peau, mais je l'ai su qu'après, ça. Non, j'allais le secouer comme un prunier, et je m'en suis voulu. Est-ce que vous pourriez... C'est émouvant pour vous, j'imagine, hein? Comment? C'est émouvant pour vous de remuer tout ça, parce que c'est à la fois de la culpabilité, une souffrance, j'imagine, qui reste latente, quoi. Vous avez complètement arrêté de jouer, vous avez complètement arrêté de boire, enfin, je veux dire, Boire, oui. Le jeu, ça m'arrive encore de temps en temps quand il y a des coups durs. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de culpabiliser toute ma vie, quoi. Ça, vous pouvez pas le savoir toute votre vie, encore vous êtes un jeune homme, madame. Dites-le quand même. Vous ne pouvez pas dire ça. Je suis un jeune homme quand même qui a 33 ans quand même. Bah, d'accord, mais enfin toute votre vie, elle est encore longue. Hein. Bon, à vos côtés, Daniel, qui a un petit peu plus d'expérience que vous, si vous me permettez, oui, madame. Bien sûr. Et qui a 4 enfants, avec le 4e enfant, dernier enfant qui a été diagnostiqué hyperactif, psychotique et paranoïaque. Enfin, d'abord hyperactif, oui, puis psychotique, voilà, et enfin paranoïaque. Oui. C'est un grand garçon aujourd'hui qui a 21 ans. Avant de devenir un adulte violent, peut-être jamandrais en disant parfois violent. Oui. De pas plus toujours en plus violent. Violent. De plus en plus violent. À partir de 12 ans, il est devenu très violent et c'était très difficile à vivre. Mais avant, je dois dire, quand il était un bébé, quand il est né, c'était la merveille du monde. Mais alors, il fallait suivre et on n'arrivait plus à suivre. Il a dormi la première nuit et après, pendant 5 ans, ça a été fini. La première nuit? La première nuit. Et après, il n'a plus dormi pendant 5 ans? Après, pendant 5 ans, il n'a plus dormi. Et ensuite, à partir de l'âge de 12 ans, vous disiez que ça s'est... À partir de 12 ans, il a basculé, oui, il a basculé dans la violence. Mais c'était un enfant, quand il était petit, comment je vais vous dire? D'abord, il prenait du poids. À 8 mois, il avait à 4 mois, il avait 8 dents et il avait la taille d'un bébé de 8 mois. Il a commencé à se traîner par terre à 7 mois et demi. Il a marché à 9 mois. Il a parlé très tôt. J'ai tenu son journal pendant 4 ans. Écoutez, c'était un enfant qui apprenait tout. Qui avait une facilité d'apprentissage qui me dépassait. Ouais, qui débordait d'énergie, quoi. D'intelligence. Qui dévorait le monde. Il était beau, ouais. il avait tout pour lui. C'est vrai, ouais. C'est pas parce que c'est mon fils, mais... Et puis, bon, il a eu quelques petits problèmes à l'école parce qu'il est entré sachant lire. Peut-être qu'il s'ennuie un peu, peut-être que déjà le mal perçait quelque part. Ouais. C'est-à-dire que l'institutrice n'a pas trop compris. Bon. Au bout de 2 ans, je n'ai pas insisté. J'ai voulu lui faire une étude à la maison. J'ai fait la classe chez moi. Et là, vous avez commencé à vous occuper de lui tout le temps, quoi. Oh, 24 heures sur 24. Oui. Mais il apprenait avec une facilité incroyable. Mmh. Seulement, ce que je remarquais, c'est qu'il n'avait pas de capacité de concentration. Je lui ai appris à lire, il a appris en 2 mois, mais à raison de 10 minutes par jour. Au bout de 10 minutes, il fallait qu'il prenne la poudre d'escampette. Ça veut dire qu'il est supérieurement intelligent? Oui, on l'a testé comme hyper doué. Et parallèlement, hyperactif, psychotique, dit-on. Oui, après, il a sombré dans la psychose. Oui. Il vit tout seul aujourd'hui, près de chez vous, mais il a les clés de chez vous. À 250 mètres de chez moi. On va voir ça dans un instant. À partir de quel âge a-t-il commencé à être violent, verbalement? Entre 12 et 13 ans. Alors, 12, 13 ans. Avant, il était plutôt craintif. Oui. C'est-à-dire, à l'école, il était un peu pris pour la bête noire, la tête de turc. Vous avez consulté les docteurs, des psychiatres, beaucoup? Une kyrielle. Oui, oui. Une kyrielle de médecins. Le diagnostic a été clair à partir de quel âge? On a tout de suite dit que c'était une psychose, mais je pense quand même que l'abondance de neuroleptiques qui lui ont été prescrits, ça n'a pas été utile. Il y a même eu des fois où il a été mis en catatonie et c'était très dur à vivre. Ce qui signifie ? Ça signifie qu'il était hospitalisé, qu'il était complètement immobilisé par l'excès de neuroleptiques. Il bavait, il ne pouvait plus avancer. Enfin, c'était atroce de voir son fils dans cette situation. Oui, de le voir, même quand vous ne pouviez pas le voir. Parce que là, vous essayez de l'apercevoir, dans ces moments-là. Ouais. Parce qu'il y a eu des moments où, au début de son hospitalisation, dans un autre établissement, il a commencé vers 13 ans, 13 ans et demi, à être hospitalisé carrément. Et on nous avait conseillé de ne pas le voir pendant 3 semaines. Et vous le guettiez à la fenêtre? Oui, parce qu'on essayait de l'apercevoir à la... Oh bah, je vous en prie, madame.
Oui. On va regarder ce reportage peut-être pour commencer, pour comprendre le temps de reprendre ses esprits. Vous avez sacrifié beaucoup de choses pour votre enfant, on va le voir, madame. Votre vie de couple, votre vie amoureuse, vous êtes séparée de votre compagnon alors que vous l'aimiez, votre carrière. Enfin, vous avez tout donné pour ce garçon. Même mes trois premiers enfants qui m'ont un petit peu, pas abandonné, je dirais, mais qui m'ont laissé face à ce problème, parce que c'était vraiment un problème très difficile. Et ils ne comprenaient pas, quand Romain est devenu violent avec moi, ils ne comprenaient pas que leur mère soit traitée de cette façon-là. Comment vous faisiez face à vos responsabilités de mère, alors là, avec les trois autres enfants? Les trois autres étaient grands, c'était pas la même génération. Ah. Mon fils est né à 45 ans. J'en ai un de 43, une de 38 et Romain a 22 ans. Donc il y avait quand même, ils avaient eu le temps d'être même, l'aîné était marié. On va regarder ce reportage, madame, mais vous avez vu la question que nous posons ce soir, oui. Jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous dites ? Jusqu'au bout. Donc Romain a 22 ans aujourd'hui. Il va les avoir bientôt. Enfin oui, il a 22 ans. Il ne travaille pas, il vit seul dans un studio à quelques dizaines de mètres de chez vous. Oui, il est question de trouver un emploi parce qu'il a une rente de handicapé. À 80%, il est à la Cotorep, mais dans ce milieu-là, on leur cherche des emplois. Et il est question là, qu'il en ait un. Mais quel type d'emploi pourrait-il avoir ? Mais aide à la cuisine, service, à la table, c'est ce qu'il veut. Hein. Pourtant, il est plutôt plus intellectuel que manuel, mais enfin, il veut peut-être suivre l'exemple de son frère plus âgé. Bon, vous restez très proche de Romain, la violence qu'il exprime quotidiennement sur vous, sur lui-même aussi, vous fait peur, on ne s'habitue pas à une telle violence. Oui, il a fait on des tentatives de suicide, c'est ça le plus affreux, parce que quand il arrive à me frapper, bon, j'ai mal, j'ai des bleus, puis sur le moment, je le prendrai, mais je me reprends, je comprends que c'est la maladie, que ce n'est pas mon fils. Mais quand il tente de se suicider, comme il l'a fait, ça c'est plus grave. C'est un reportage à Nice d'Amel Sitaï et de Patrice Livet. Ouais. Voilà, donc, ça c'est une crise de colère classique. Il était en colère après moi, il a voulu enfoncer la porte, et voilà le résultat. Bon, il a attrapé le lit, il s'est énervé après le lit, comme il a de la force, le lit est cassé. Une deuxième fois, par précaution, j'avais fermé la porte à clé, et il a eu encore une pulsion suicidaire, et il a esquinté la porte, comme vous le voyez. Vous allez voir là dans l'entrée, il a fallu que, par crainte de cette violence, je fasse mettre un verrou supplémentaire parce que Romain a les clés. Donc il entre quand il veut et quand il n'est pas bien, qu'il est violent, il entre brusquement et moi j'ai peur. De quoi vous avez peur, Daniel ? J'ai peur des coups. J'ai peur des coups, tout simplement. J'ai peur parce que quand il est en colère comme ça, je me suis retrouvée pleine de bleus. Une fois, j'étais là, j'étais couchée par terre, la porte était ouverte, j'étais allongée sous les coups. Et la moitié de mon corps était dans l'appartement et l'autre moitié dehors. Et j'avais à peine la force d'appeler au secours. Il a été extrêmement violent. C'est affreux la peur que j'ai. Hein. J'ai peur de mon fils. Coco, c'est moi, hein. J'arrive. Tu m'ouvres ? Bonjour, Coco, ça va ? Oui. Ah, je t'ai apporté des affaires, hein. De quoi manger et de quoi... Et des vêtements aussi, hein. Voilà. Donc, ça va... Qu'est-ce qu'il a eu, ton poste, là ? Il est à moitié mort, non ? Tu l'as fait là. Oui. T'as donné un coup de poing. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde dans quel état il est. Oui, j'arrivais pas à trouver le sèche-cheveux et il y a le poste qui a pris parce que j'arrivais pas à trouver le sèche-cheveux. Je préfère me prendre aux objets à la rigueur plutôt que. Ouais. Plutôt que. Qu'après moi? Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est mieux. Bien sûr, mais enfin, le téléviseur, il est à toi aussi. Là aussi, il manque une poignée. Là aussi, tu t'es énervé ou bien elle est partie non, parce que non, c'est là, pas là, ça, là, j'arrivais pas à ouvrir, j'arrivais pas... Oui. Donc c'est parti aussi. Non, non, là, non. C'est parce que j'arrivais pas à ouvrir. Ah. D'accord. Il y a deux Romains. Il y a celui qui est gentil, avec qui on discute, parfois très profondément, on rit, tout ça, ça se passe très bien. Et puis il y a l'autre Romain, qui est pas dans son état normal, qui s'énerve et qui peut être violent. Ça m'inquiète parce que j'ai peur que tu récidives dans tes tentatives de suicide. L'autre jour, t'étais grimpé sur la fenêtre encore. Alors ça, tu le faisais pas avant. C'était à cause du film, le soldat Ryan.
Des fois, je vois un petit peu de violence, je zappe, oui. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut te défendre contre ces choses-là. Non, mais je me défends pas en zappant, je me défends en me battant avec les acteurs, tu vois. Oui, mais ça, c'est pas la réalité. Non. Si j'avais un gosse et qui voulait sauter par la fenêtre, j'aurais la trouille, hein, qui... Ça me ferait peur. Alors, tu comprends que je m'inquiète pour toi. Oui, je comprends. Parce que je te sens jamais assez équilibré, assez autonome, pour ne plus faire de bêtises comme ça. J'ai toujours peur que tu te suicides, j'ai toujours peur que tu casses, j'ai toujours peur. Et ouais, mais à un moment donné, moi-même, j'essaie de me convaincre, je me dis ne pense plus au suicide, tu es. Voilà. C'est... Tu le faisais t'es, pas. C'est un miraculé, t'es un miraculé, et ne pense plus au suicide. On va voir là. Te plaise pas celle-là? Moyen. Moyen. Ben, si elle te plaît pas, si elle c'est te plaît petit, pas, il faut c'est pas trop petit. Non, mais c'est pas la question de la pointure on la trouve. Tu veux essayer ça? Oui, mais on prend du 45 alors. Et tu fais pas du 45, tu fais du 43. Je fais du 45. Et je t'avais dit que c'est trop petit. Mets ton pied dessus, on va voir si c'est trop petit. La pointure, ça dit rien. Regarde, regarde, ça dépasse. Ça sent pas mal, je trouve. Non. Je vous dois combien, non, monsieur? C'est lesquels? C'est Aïda. C'est à 12 euros. 12 euros. 12 euros. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, tu es bien dedans? Oui, ça va, c'est bon. Bon. Ouais. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite, mon fils. Reste un peu à côté de moi. Hein, on fait les courses ensemble. Oh. Ah là, attention, il y a une poussette là. Voilà. Oh, t'as lui avec ses chaussures de merde là. Un moment. Lui avec ses chaussures de merde là, regarde. Quoi, des chaussures? Ça se défait? Avec ses chaussures de merde là, ce con. Attends, hein. Attends, ne t'énerve pas, attends. C'est où le magasin? Là. Tu t'énerves pas, hein? Tu vas non, voir. Non, tu t'énerves pas. Doucement, hein, doucement, doucement. Doucement. Non, pas doucement. Non, attendez une seconde, ça n'a pas tenu les chaussures là. Ah, je suis désolé, mais on change. Hein, on voulait changer. Ça s'impose. Enlevez-les. Voilà. On va réessayer celle en 43. Vous l'auriez toujours, monsieur, en 43, celle-là? Celle-là, oui, il en reste une. Voilà. Il avait essayé. Comment ça lui allait? Il avait essayé, ça paraissait un ouais, petit c'est peu. C'est la merde, vos chaussures. Hein. C'est pas. Ouais, ouais, attends. Mais je ouais, crois qu'en 42. Non, vous calmez. Hein, oh, attention. Voilà. T'énerve pas, toi. Ouais, non, mais là, il me chauffe pas trop, lui. T'énerve pas, mais il te chauffe pas du tout, alors. Bonjour, là, il m'a énervé, là, il m'a cassé c'est les couilles, là. C'est là, il y en a une. Maintenant, c'est terminé. Romain, attends-moi un peu, tu fais pas le marathon, là. Romain, ça va être là, hein. Non, c'est pas là. Viens. Ça va être là. Je vous attends là. Hein. Oui, d'accord. Tu t'en l'heure, Daniel. Je vais conseiller donc sur son lit de prendre un manche à balai, de vraiment de défouler toute la haine, toute la colère qu'il pouvait avoir. Enfin, en tout cas, on a mis ça au point et effectivement. Mais en tout cas, je le fais quand j'ai envie de frapper. Ma mère m'énerve. Je suis prêt à la frapper. Je frappe sur des objets, ouais. Pas elle. Ça ouais. C'est clair. Je frappe sur les objets. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais lui dire à ta mère? Ben, en fait, je peux dire excuse-moi, mais je peux pas dire pardon. Je peux pas trop m'écraser parce que je voudrais pas qu'elle reprenne le dessus parce que je lui dis. En fait, je sais plus trop comment faire. Elle est malheureuse, quoi qu'il arrive. Vous voyez? Que je sois gentil, que je sois méchant, elle est. Même si je trouve un juste milieu, elle est malheureuse, quoi qu'il arrive. Tu te rappelles cette annonce? Oui. Je la lis? Deux. Tu veux la lire, toi? Non, lis-la, toi. Alors, beau jeune homme, aux yeux bleus, 22 ans, 1m73, 65 kilos, affectueux, loyal, désintéressé, aimant la musique, la lecture, le cinéma, la promenade, très seul, léger handicap à la marche qu'aux accidents, rencontrerait compagne 20 ans ou plus, préférence brune pour relation sincère, pas sérieux, s'abstenir.
On m'avait dit que c'était le dernier maillon qui le retenait, c'est-à-dire que s'il avait une petite copine, s'organiser, bon, bien sûr, son studio est petit, mais enfin, qu'ils sortent ensemble, qu'ils aient des échanges sur le plan de ce qu'ils aiment mutuellement, ça aurait pu l'aider, ça aussi. Et c'est pour ça que j'ai mis cette annonce. Parce que Romain ne veut pas débuter d'une mauvaise façon, c'est-à-dire avec des personnes rétribuées. Voilà. Tu en avais déjà parlé avec ta maman, elle te l'a proposé? Oui, mais je veux pas courir de risques, d'abord. Et puis j'ai un petit peu peur de la bonne femme. Voilà. Tu sais, elle est du métier, hein, elle sait comment s'y prendre et... Oui, mais avec moi, elle saurait sûrement pas comment s'y prendre. Tu crois? Elle savait avec tout le monde, pourquoi pas avec toi? Romain, la petite annonce, tu trouvais que c'était une bonne idée pour trouver quelqu'un? Oui, c'était une bonne idée, mais même ça, ça a foiré. Même ça. Et tu penses que c'est bien que ta maman, elle t'aide à te trouver une petite copine? Hein? Oui. Oui, oui. Oui, c'est bien. Tu serais disposé à en mettre une autre, à recommencer ce système-là? Oui, mais pas la même. Hein? Oui, changer de terme? Ben, on garde beau jeune homme, bon, si tu veux, mais c'est plus affectueux, donc. Ah bon. Chose. On change de terme. Oui, de texte, évidemment, voilà. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais modifier, là? Beau jeune homme, agressif. Maintenant, beau jeune homme, yeux bleus. Attention, ne pas déconner. Voilà. Pas jouer au con. Moi, je pense qu'il faudrait un traitement approprié. Et les copines, tu sais ce qu'elles en pensent, les copines de la plage? Bah, les copines, ils disent que tu prends beaucoup de risques, que tu n'en ferais pas autant, quoi, qu'ils placeraient. Ah non, moi, je peux pas, hein. Je pourrais jamais faire ça. Ouais, quoi qu'il advienne, à la limite, je préfère rester sur le carreau que d'abandonner mon gosse dans un de ces établissements. Ça, c'est pas possible pour moi, c'est viscéral. Oui, pour moi, la vie de mon fils, quand il est heureux, je vis et je suis heureuse. Quand il est malheureux, je souffre. Oui, mais quand même, t'aurais besoin de vivre quand même un peu. Tu t'imagines un bonhomme qui viendrait, là? Il prendrait la poudre d'escampette assez vite, hein. Ouais, le problème, il est là. Parce que le cas s'est posé. Tu te sacrifies pour ton fils. Ma vie, comparée à celle de Romain, je dirais que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est Romain, parce que sa vie est devant lui et la mienne est derrière moi. Est-ce qu'il a... Il a de l'humour. Il a de l'humour, ça, c'est sûr. Faut pas déconner. Il a rencontré des jeunes filles? Oui, une. Une? Quand j'ai mis cette annonce. Et puis, on est tombé sur la seule jeune fille qui ne voulait pas aller jusqu'au bout. Il a fait une tentative de suicide à partir de ça. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Je l'ai ressorti le lendemain en signant une décharge, comme d'habitude. Parce que pour moi, le laisser à l'hôpital, c'est l'abandonner. Qu'est-ce qui a déclenché sa colère, là, à la sortie du magasin de chaussures? Parce que les chaussures se défaisaient derrière. Bon, c'est vrai que c'était pas grand-chose, mais il faut être modéré. Le marchand de chaussures ne pouvait pas savoir qu'elles étaient défectueuses. Et il est arrivé en disant « vos chaussures, c'est de la merde ». Bah, visiblement, ce qui n'était pas entièrement faux. Hein. D'accord, oui. Mais simplement, il le dit un peu directement, Jean-Pierre. Non, mais il l'a dit tout de suite. Oui. Dans le reportage, d'emblée, il n'aime pas ses pompes. Pour des raisons qui ne nous appartiennent pas, en tous les cas, mais d'emblée, il ne les aimait pas. Il voulait du 45 et pas du 43. Donc, il avait quelque chose. C'est un point de fixation. Et il avait raison dans l'absolu. Et ce qu'il y a de terrible chez les hypomaniaques, c'est qu'ils sont dans une logique implacable qui n'est pas la nôtre. Et ça devient. Ils se montent tout seuls. Ce que je ne comprends pas chez madame, c'est pourquoi elle n'accepte pas qu'il voit un vrai psychiatre, parce que ce genre de maladies sont connues et on arrive à vivre normalement en suivant des traitements, parce que... Adaptés, hein. Adaptés, totalement adaptés, qui n'abrutissent pas, qui ne rendent pas imbécile, parce qu'en plus il est intelligent, il est drôle. Ouais. Donc il a toutes les qualités pour... Et c'est un beau garçon. Et c'est un beau garçon en plus. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne trouve pas une gonzesse, déjà, pour commencer. Et c'est un peu dommage que Daniel, je crois, ne fasse pas confiance. Je pourrais lui parler après l'émission de un ou deux centres que je connais, parce que dans notre métier, nous avons beaucoup d'hypomaniaques et qu'on est capable de mener une vie tout à fait normale avec... non, mais je crois que Mozart... C'est pas confiance ou plus confiance? Voilà, plus confiance. Je vous donnerai des bonnes adresses tout à l'heure. Je veux bien. Non, mais c'est intéressant d'essayer quand même de... Bien sûr, je suis venu aussi participer à cette émission dans ce but.
Vous avez l'impression que vous êtes seule à pouvoir lui donner quoi ? De l'amour, de la compréhension ? Oui, vous êtes parce la seule... que, oui, j'ai cette impression. Bon, à part ma tante et ma tante est décédée. Non, vous mère... avez déjà vu, moi je l'aime bien aussi déjà, ça fait, ça fait un de plus. Hein. Ça fait de... Je crois qu'il est sympathique à tout le monde. Enfin, oui, tout c'est le monde, vrai, quoi, il, ouais. Il se pense mal aimé, mais en fait, ouais. Beaucoup, dans le quartier, tout le monde l'aime bien. Est-ce que vous appréhendez son avenir plus tard ? Comment vous enfin, de quelle manière J'envisage déjà plusieurs thérapies. Il fait quand même, enfin, il n'est pas abandonné sur le plan médical puisqu'il passe des examens à l'hôpital de Nice, je ne cite pas de nom. Et puis il est suivi par ce monsieur là dont vous avez vu le reportage. Il est quand même bon. Et puis je pense qu'avec le temps, les choses pourront s'améliorer parce que ce sont des maladies qui peut-être s'arrange quand la pondération vient, quand la réflexion, l'expérience. Mais enfin, j'envisage quand même des soins aussi. Hein. J'essaie de trouver lesquels. Oui. Mais quand il dit « j'ai envie de casser la gueule aux acteurs du film qui m'a énervé », etc. Oui, ça, je le recadre. Je lui dis « mais tu te rends compte que c'est pas... » Il se rend compte, non ? Il se rend compte, mais il faut que je lui... Avant, après, mais pas sur le moment, quoi, c'est ça ? Pas sur le moment, ouais. Non. Il fait une confusion et ça... Je dois dire que quand il était petit, ça se produisait déjà. On nous avait conseillé de ne lui montrer que des films réels, les animaux, les plans, enfin, ah, des reportages, quoi, ouais. des documentaires. Ouais. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Yolande, vous qui vous êtes beaucoup sacrifiée pour vos enfants, que vous inspire le récit de Yolande ? Et puis la découverte de sa relation. Je dois dire Yolande que... de Daniel. C'est, pour moi, c'est quelque chose de très... C'est encore plus dur que le fait de me sacrifier à moi pour mes enfants. Mes enfants sont en bonne santé, mes enfants sont bien. Bon, c'est vrai que je n'ai plus de contact avec eux, mais je sais qu'ils sont bien. Quel âge ont-ils ? Elle a 30 ans et mon fils a 33 ans. Depuis combien de temps ils ont cessé d'avoir des relations avec vous ou ils ne veulent plus en avoir ? Disons qu'avec ma fille, ça a toujours été très, très mouvementé. Elle vous en a voulu ? Oui, mais elle m'en veut, c'est quelque chose qui est assez double. Elle m'en veut de l'avoir laissée chez mes parents. Donc ce sont mes parents qui l'ont élevée. Mais elle ne me... Est-ce qu'elle a un enfant au moins ? Non. Ils n'ont ni l'un ni l'autre d'enfant. Elle comprendra peut-être quand elle aura une... C'est possible. Quand c'est elle possible. Sera mère. C'est possible. On va prendre l'histoire au début, Yolande, pour ceux qui nous rejoindraient. En tout cas, ça, c'est difficile à suivre sinon. Yolande, vous êtes prostituée pendant 17 ans oui. pour subvenir aux besoins de ces deux enfants dont vous parliez à l'instant. Vous êtes issue d'une famille classique, de classe moyenne oui. également. Comment vous êtes retrouvée en quelques mois en si grande difficulté ? C'est-à-dire que j'avais déjà des problèmes à l'époque où mon fils est né. Mon mari, au bout de 3 jours... J'avais accouché de 3 jours, il s'est retrouvé en prison. Et puis bon, j'avais 18 ans. Quand il est sorti de prison, je m'étais dit, y a moyen de recommencer quelque chose. Il a appris sa leçon, etc. Et puis bon, ça n'a jamais été que de mal en pire. La boisson, le jeu, les autres femmes. Et puis je me suis retrouvée enceinte de ma fille, j'avais déménagé entre-temps, je crois, 7 fois. Et puis, il m'a retrouvée une 7e fois. Il m'a fait ma fille. Et puis, il est reparti. Entre-temps, j'ai encore eu pas mal de problèmes avec des personnes qui le cherchaient. J'étais donc sur mon matelas avec mes pommes de terre crues. Le bonhomme est rentré chez moi. Il m'a dit, oui, où est-ce qu'il est, Paul Sturman? J'ai dit, si tu le sais, tu lui dis que je crève de faim. J'ai dit, si tu es là, j'ai pour me descendre. Eh bien, vas-y, ce sera vite fait. Aussi bien mon fils que moi, d'abord mon fils et puis moi. Et puis, parce que j'ai eu pas mal d'idées de suicide à l'époque où j'étais. Mais je n'arrivais pas, enfin, mon fils avec ses grands yeux bleus, parce qu'il avait aussi des grands yeux bleus, il était tellement mignon, il était tellement... Quand... Il était petit, c'est quel âge avait-il ? Oui, à ce moment-là, enfin, moi, je vous parle de ses 2 ans à ses 3 ans. Ouais, donc, il a eu la tuberculose quand j'avais du boulot. Je l'avais mis à la crèche, là, il s'est ramassé la tuberculose. Bon, j'ai été obligée d'arrêter de travailler pour le garder. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvée enceinte. Donc parce que si j'avais été financièrement indépendante à ce moment-là, je n'aurais pas dû faire le trottoir. Vos proches savaient dans quel état de précarité vous vous trouviez avec votre fils ? Oui, mais du fait que je voulais quand même essayer de sauver mon ménage, ils m'ont rejetée, aussi bien moi que mon fils. Mmh. Parce que bon, comme mon fils avait la tuberculose, c'était difficile de mettre mon autre enfant en contact aussi avec
celle que j'attendais, enfin celle ou celui, oui, parce qu'il y avait un danger de contagion, bien sûr. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai été obligée de laisser ma... Enfin, j'ai téléphoné juste un petit peu avant que je n'avais accouché. J'avais téléphoné à mon père pour lui demander de me trouver une famille d'accueil que je paierais la période où mon tant fils, était, votre fils tant que te, voilà. était en train de... Oui, voilà. Et puis, Yolande, voyant que les portes se refermaient, vous avez envisagé la prostitution, parce que vous connaissiez une femme qui se prostituait comme une solution momentanée. On a vu que vous êtes restée 17 ans sur le trottoir. La première fois que vous êtes montée sur le trottoir, avant de rencontrer votre premier client, vous pensiez à vos enfants ? Ah, de toute façon, je n'avais plus rien pour donner à manger à mon fils. C'était ou ça ou me suicider. Il n'y avait pas d'autre solution. Et puis, bon, j'ai rencontré, heureusement, Micheline directement. C'est mon amie qui était prostituée, avec qui j'ai fait mes premiers pas. C'est elle qui m'a payé mon premier café, mon premier sandwich. Donc, c'était un festin. Hein. Et puis, voilà. Vous avez quel âge, vous ? Maintenant, j'ai 52 ans. Et là, vous aviez quel âge à l'époque ? À l'époque, j'avais 21, j'allais avoir 22 ans. Ouais. Et on comprend que vous ne pouviez pas travailler, que votre fils était malade, que, enfin, je veux dire, vous étiez en situation, vous n'aviez pas d'autre choix, quoi, comme vous disiez. Ah non, parce que quand on est enceinte, si vous allez vous présenter pour du travail, on vous dit de revenir quand vous avez accouché. Donc, pendant la période de votre grossesse, eh ben, vous... Je ne sais pas ce que vous faites. Vous nous avez parlé aussi de ce dégoût que vous avez ressenti quasiment à chaque fois que vous vous retrouviez avec un client. Ouf. Comment faire pour surmonter, comment vous avez fait pour surmonter ce dégoût ? Eh bien, je me suis rincé le cerveau, comme on dit. J'ai vraiment fait un brainwash en me disant qu'il remplaçait le mari qui n'y était pas. Et puis, que cet argent, c'était pour soigner justement mon fils, c'était pour lui faire ses radios, pour payer ses médicaments. Parce que comme je n'avais pas de mutuelle non plus, je devais payer le prix plein, aussi bien chez les médecins que pour les radiologues, que pour les médicaments. Donc j'allais travailler. Pendant que je travaillais, j'essayais de gratter le maximum d'argent pour le mettre de côté. Et quand j'avais assez, ben je vivais jusqu'au moment où je n'avais plus et je devais retourner. Quand vous travailliez, qui s'occupait d'eux ? J'étais obligée de mettre mon fils au pensionnat, à l'internat. Donc, il revenait chez moi le week-end et puis la semaine, il était à l'internat. Ma fille était chez mes parents parce que, bon, j'estimais qu'elle était quand même mieux lotie que mon fils à l'internat. Et ça, quelque part, c'est ça le reproche qu'elle me fait, c'est le fait que je l'ai abandonnée pour garder mon fils. Elle ne veut pas comprendre que mon fils était encore plus mal qu'elle à l'internat. Quand et comment vos enfants ont-ils appris que vous exerciez ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde ? Mon fils est un jour revenu à la maison en me disant qu'il avait été faire le tour des salles de bain de ses petits copains et que les slips et les soutiens qui se trouvaient dans la salle de bain séchée étaient tout à fait différents des miens. Et puis alors, maintenant c'est vrai que je rigole, mais quand il est revenu avec ça, c'est comme si je m'étais ramassé un coup de poing dans l'estomac. Bon, il avait 13 ans à peu près à l'époque. Et puis le dimanche après, je suis allée chez mes parents et puis j'ai entendu que ma fille avait appris par ma mère, oui, tu n'as qu'à retourner chez ta mère, tu vas pouvoir faire la même chose qu'elle, tu vas pouvoir aller te prostituer quand tu seras... Et mon fils qui a dit, mais non, c'est pas vrai, ma mère ne se prostitue pas, elle travaille dans un magasin de fruits et légumes, elle rapporte tous les jours des fruits et des légumes de son magasin. Donc voilà. Vous aviez peur du regard qu'ils pouvaient porter sur vous à ce moment-là ? Vous avez peur de les décevoir ? Vous aviez peur de quoi ? Parce que non, vous étiez en train de vous battre pour eux pourtant. Hein, oui, mais non, je n'ai pas eu peur c'est de la façon dont il m'a dit, tu sais, je sais ce que tu fais, hein. Ça m'est arrivé vraiment comme... Allez, j'ai des ulcères à l'estomac, mais ils ne se sont pas améliorés pour la cause. Mais ils ont compris que vous étiez sacrifiée pour eux ? Mon fils, oui. Ma fille, non. Ma fille, le problème qu'il y avait avec ma fille, c'est qu'elle m'a toujours reproché le fait de l'avoir abandonnée chez mes parents. Elle ne savait pas non plus que... Bon, elle n'a jamais vu l'argent que je donnais à ma mère pour la garder, pour la soigner, pour l'élever. C'est vrai qu'elle n'était jamais non plus là pour voir les factures que je payais quand ma mère allait lui chercher des petits chaussons et des tutus, etc. Ils vous ont jugé, vos enfants, vous avez l'impression ? Ma fille, oui. Mon fils, non. Quelle relation vous aviez avec eux pendant leur adolescence ?
avec mon fils, j'avais une relation sensationnelle. Hein. C'était mon... Enfin, quand il avait 3 ans, un jour, j'attendais mon mari. Ah, je parle de l'adolescence, 3 ans, il est précoce. Non, non, hein. Oui, d'abord 3 ans. Il avait 3 ans, un jour, il s'est assis sur le bras du fauteuil parce que je pleurais de rage, parce que son père ne venait nouveau pas montrer le bout de son nez. Et il met ses 2 petits bras autour de mon cou et il me dit, tu ne dois pas pleurer, maman, parce que c'est quand même moi, ton petit homme. Voilà. Donc... Ça, c'était le début de... Et il ne savait pas prononcer l'air. Bon, on a toujours été très, très proches jusqu'à l'année passée. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez séparés? L'année passée, il y a 2 ans, il a rencontré une fille. Et puis l'année passée, il s'est ramené avec sa nouvelle amie. Et sa nouvelle amie n'a pas apprécié la compagnie de Roxane. Donc, qui est transsexuel, n'a pas apprécié la compagnie de mon voisin qui est tatoué de la tête jusqu'aux pieds. Mais ce sont effectivement les gens avec qui j'ai des contacts journaliers. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais mettre ces gens-là à la porte parce que la nouvelle petite amie de mon fils ne les supporte pas. Donc, là aussi, on me reproche le fait d'avoir été prostituée, d'avoir gardé un entourage. Alors que vous ne vous prostituez plus depuis plus de 10 ans. Maintenant, oui, depuis 87. Entre-temps, je suis devenue assistante sociale et je fais la médiation des dettes. Donc, il y a vraiment une grosse différence avec la prostitution. Hein. Je vous propose... Ça doit être très difficile d'accepter leur attitude à votre égard, alors que vous vous êtes sacrifié à ce point pour eux pendant 17 ans. Je ne veux pas les accabler, évidemment. Non, mais les absents ont toujours tort, en plus. Mais... Ce sont toujours mes enfants. Et, et maintenant, je m'occupe aussi d'autres jeunes prostituées, etc. Parce que j'ai aussi démarré une association de prostituées, ex-prostituées, travestis, transsexuelles, avec d'autres collègues, ex-collègues, pour accueillir justement toutes celles qui sont dans les... Et ça vous a rendu encore plus tolérante que les autres, quoi. C'est assez étonnant. Je propose de dialoguer avec Jérôme, qui lui aussi a eu sa maman qui s'est prostituée pour subvenir à ses besoins. Jérôme, vous êtes avec nous? Oui. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Votre maman s'est prostituée pendant 9 ans. Vous avez écouté le témoignage de Yolande? Oui. Oui, qu'est-ce qui vous a inspiré? Vis-à-vis de ses enfants? Oui, enfin en général, comment vous avez ressenti ce qu'elle disait? Son histoire et l'histoire de ses enfants sont très proches de la mienne. Moi aussi, j'ai vécu chez mes grands-parents, enfin chez ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a appris le métier qu'exerçait ma mère. Comment elle vous l'a dit? Suite à une engueulade. Je me rappelle plus exactement les termes qu'elle m'a dit, mais elle m'a dit... Quel âge vous aviez? Pardon, c'est plutôt ça qui est important. Je devais avoir 7 ou 8 ans. C'était la mère de votre mère? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris à 7-8 ans de ce qu'on vous disait, de ce qu'elle vous disait? J'y croyais pas au début. J'y croyais pas trop, j'avais pas les preuves. Et puis elle disait pas mal de ma mère. Donc j'ai cru encore que c'était pour me blesser plus qu'autre chose, j'y croyais pas. Et puis après j'en ai eu la certitude. Est-ce que vous en avez parlé avec votre maman à ce moment-là alors? J'avais pas beaucoup de contact à l'époque avec ma mère, donc j'ai pas su lui en parler tout de suite. À quel moment vous lui en avez parlé et comment? Je devais avoir 10 ans et demi. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Au début, je lui ai demandé pourquoi il y avait des préservatifs dans la boîte à gants de la voiture. Et après, elle m'en a parlé. Elle m'a expliqué pourquoi, les raisons pourquoi elle avait fait ce métier. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que c'était pas pour son plaisir personnel, c'était pour me nourrir, qu'elle avait toujours fait pour me nourrir et... qu'on puisse vivre, tout simplement, qu'on puisse vivre, parce qu'on avait besoin d'argent, elle n'avait pas d'autre métier. Mais qu'est-ce que vous compreniez de tout ça quand vous aviez 10 ans, vous? On est un enfant comme les autres, et puis c'est vrai, on parle avec les copains de ça, et puis du jour au lendemain, on se rend compte que, on est, excusez-moi le terme, on est un fils de pute, quoi, voilà. Est-ce que vous arriviez à en parler avec votre maman, au point de trouver des explications, d'avoir des réponses aux questions que vous posiez? En parler, j'ai souvent évité. Elle a essayé, là. C'est vrai que j'avais peur de la blesser et de lui remettre son passé devant elle, quoi. Étant donné qu'elle a fait ça très jeune pour moi, ça lui a bousillé sa vie. Ça lui a bousillé une partie de ses pensées. Ça l'a atteint au plus profond d'elle-même. Et voilà.
Quelle vie votre maman a-t-elle pu vous offrir en se prostituant? Une vie aisée. J'ai jamais manqué de rien, donc j'ai vraiment vécu dans un milieu luxueux. Du temps où elle pratiquait encore ce métier. C'était, à titre d'exemple, on pouvait se faire des restaurants 3-4 fois par semaine. Peut-être des fois plus. Vous aviez quel âge quand elle a arrêté? Je devais avoir 10 ans, oui. Vous avez parlé de culpabilité en préparant cette émission à nos journalistes. Il y a d'une culpabilité qui s'est quand même un peu estompée, je crois. Hein. Mais il y a encore 2 ans, vous nous avez dit avoir été au fond du gouffre. Jusqu'où? Au fond du gouffre, on déprime. On pense qu'à des choses négatives. Et on se dit que si on n'aurait pas été là, moi personnellement, je me disais que si j'aurais pas été là, ma mère n'aurait pas eu à exercer ce métier. Elle aurait pu terminer ses études et avoir un autre job, une autre vie. Bon, à l'âge de 16 ans, elle s'est retrouvée avec moi sur les bras. Puis, il fallait trouver de l'argent. Donc, elle a commencé par des petits boulots, mais ça suffit pas. Et puis, pour finir, elle a trouvé la prostitution. J'aurais pas été là, je serais pas arrivé déjà quand elle aurait eu 16 ans, elle aurait pas eu à faire ce métier. Donc vous avez culpabilisé? Oui, ça m'arrive encore de temps à autre. Mais vous arrivez à en parler avec elle dans ces moments-là? Pas toujours peut-être, mais parfois au moins. J'évite d'en parler. Et pourquoi? J'ai pas envie non plus qu'elle ait des remords aujourd'hui. Qu'elle se dise j'ai fait tout ça pour lui et aujourd'hui il en souffre. Mais vous lui en voulez aujourd'hui? Non, je n'en veux pas du tout, parce que elle a fait ça dans mon intérêt, pour moi. Vous vous sentez différent des autres petits garçons qui ont été élevés par des mamans qui n'ont pas été jusqu'au bout des sacrifices pour élever leur enfant? Non. Non, j'ai grandi comme les autres, comme tous les autres enfants. J'ai grandi vraiment comme tout le monde, sauf que j'ai une vie assez mouvementée, j'ai pas vécu une vie calme. J'ai vécu une vie qui changeait souvent. Donc c'est vrai qu'on est passé d'un milieu luxueux à un milieu assez serré maintenant. Depuis qu'elle a arrêté? Oui, depuis qu'elle a arrêté. Puis elle avait recommencé quelques années après, sur une courte période, parce qu'on avait de graves soucis financiers. Et c'est vrai que, fatalement, on passe d'un milieu luxueux à un milieu que des tas de gens connaissent. Vive, donc, voilà. Et vous avez dit que vous avez fait tout pour être le garçon le plus agréable possible, faisant le moins de bêtises possible, c'est... Tout, peut-être pas, mais c'est vrai que j'essaye de montrer mes sentiments, mais comme ma mère n'est pas très câlin, j'ai du mal à lui dire en face « je t'aime ». Ça, j'arrive pas, ça sort pas. Les câlins, j'aime bien en faire, mais elle veut pas. Enfin, elle aime pas ça, donc j'aime pas la forcer. Et pourtant, vous l'aimez, hein, visiblement. Oui. Ouais. Et vu ce qu'elle a fait pour vous, elle doit vous aimer aussi. Hein. Oui, j'en suis sûre et certain. Ouais. Et le fait de ne pas le fait de ne pas le toucher, c'est par respect aussi pour lui. Je suis pas câlin ni avec mon fils ni avec ma fille. Mais je peux t'assurer que je les adore. Merci Jérôme de nous avoir expliqué tout ça. Merci beaucoup. Jusqu'où peut-on aller par amour pour ses enfants? C'est donc le thème de notre émission de ce soir. Laurent, vous êtes un jeune papa, vous de 33 ans. Bon, votre fils aîné souffre d'ictiose, oui. Qui est une maladie génétique rare qui s'attaque à la peau, qui la rend extrêmement fragile à tout contact et qui demande des soins tout particuliers. Oui. Vous avez été, on parlait de culpabilisation à l'instant, longtemps oui. Persuadé que c'était de votre faute si votre fils était malade. À l'heure actuelle, je continue à persuader que c'est de ma faute. Pourquoi? Disons que j'ai fait des bêtises de jeunesse, mais je crois que les deux plus grosses, ça a été l'alcoolisme et le jeu. Et maintenant, même si j'en suis soigné, je dirais qu'il y a quand même un bon Dieu, même si je ne pratique pas, qui a voulu me punir en donnant une maladie à mon fils. Et j'en resterai persuadé jusqu'à temps que je ne verrai pas noir sur blanc écrit que c'est effectivement un accident génétique. Pourtant, c'est une maladie génétique. Pourtant, c'est ce que sur laquelle on met un nom, qui est oui, reconnu, c'est ce même si c'est rare. C'est ce que m'a dit le médecin, effectivement. Mais donc, il l'a écrit noir sur blanc, alors. Donc, je n'ai pas vu encore écrit noir sur blanc. Si le médecin pouvait écrire noir sur blanc, peut-être que ça éviterait que vous culpabilisiez à tort.
Votre femme a dû supporter des choses difficiles, vous disiez, dans les premiers moments, après la naissance de cet enfant. Déjà, quand on s'est rencontrés, elle savait que j'étais alcoolique et que je souffrais du jeu. Mais effectivement, quand Mathieu est arrivé, je ne pensais pas que ça allait avoir des conséquences aussi dramatiques que ça. Du fait que ça allait... Quand je partais travailler, je ne rentrais pas pendant 48 heures. J'allais travailler, ensuite j'allais dans tous les cafés à Paris, je jouais, je retournais au travail, je retournais le soir dans les cafés, je jouais, et je décidais de rentrer en plein milieu de la nuit, et sans laisser un centime à ma femme pour élever Mathieu, mais aussi pour elle-même, quoi, subvenir à ses besoins. Et donc, il y a eu deux facteurs déclencheurs. Le premier, c'est que ma femme est partie avec Mathieu, pour se sauver elle-même, mais pour sauver le gamin d'une telle situation. Et le deuxième facteur déclencheur, c'est que j'ai vu, quelques mois plus tard, mon fils momifié de la tête aux pieds. Et ces deux facteurs déclencheurs m'ont dit, soit je perds tout, soit je prends une bonne décision. Et la bonne décision a été de me faire soigner. Donc je me suis retrouvé en psychiatrie, interné pendant 3 mois. Puis après cette psychiatrie, j'ai fait une cure encore pendant 2 mois de désintoxication. Et depuis, c'est la première cure, et pour le moment, c'est la bonne. Vous avez eu donc ce besoin de vous faire interner, ça a duré une longue période, vous le disiez à l'instant, et puis après, vous avez eu ressenti ce besoin de vous occuper de votre fils à plein temps. C'est venu comme ça? Non, c'est pas venu comme ça. Il y a eu... je travaillais après. Donc, du fait de se faire soigner, on change notre physiologie de voir les choses. Donc, j'ai changé de travail, on a changé d'appartement. Changé de vision des choses, quoi. Ouais, globale. Et il y a eu une période difficile en 2000 qui a fait que Mathieu a nécessité d'autres périodes d'hospitalisation. Ouais. Et j'étais en arrêt de maladie. Mais l'employeur ne supportait plus l'arrêt de maladie. Donc j'ai négocié avec mon employeur pour me mettre en congé parental. Ouais. C'est très bien passé et depuis, je suis heureux comme ça. Ça fait 2 ans que vous êtes en congé parental, donc. Non, là, j'avais entamé ma 2e année, tout D'accord, à fait. Ouais. Quand vous disiez momifié tout à l'heure, il faut comprendre que ce sont des enfants qui sont excessivement fragiles, hein, oui. Que n'importe quel petit choc, etc., abîme la peau, qu'il faut s'en occuper avec énormément de soins, et que parfois, eh ben, ils sont tout couverts de bandelettes, effectivement. Depuis donc 1 an maintenant, c'est un peu plus d'un an, vous avez décidé de consacrer votre vie à vos 2 enfants. Oui. Donc on a parlé beaucoup de Mathieu, mais il y a également... Élodie, qui est née il y a 14 mois, mais elle qui est née dans un autre contexte, puisque je ne suis plus... alcoolique. Je suis encore un petit peu joueur, mais c'est des moments, je dirais, de stress, mais ça n'affecte plus le budget familial. Mmh. Et Elodie, donc, elle arrive dans un autre contexte différent, puisque pour elle, ça se passe très, très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous êtes en congé parental pour vous occuper d'eux à plein temps. Vous avez organisé toute votre vie. Votre femme travaille pendant que vous assumez l'éducation de vos 2 enfants. C'est un reportage de Mathieu Huchet, d'Olivier Dorin et de Luc Smilovici. Voilà, ça c'est bon. Ah oui, et le fromage, c'est bon. Chérie, tu peux me rendre un autre service? Moi, je vais rester au yaourt après avec Mathieu. Tu prends 3 litres de lait. Tu sais, ils sont devant, ils sont surgelés. Ouais. S'il te plaît. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit sur le fait que Laurent ne travaille pas? Au début, je disais pas que Laurent était père au foyer. Mais après, je me suis dit, je vais leur dire. Et puis, ils trouvent ça rigolo. Ils se disent, ils se demandent s'ils s'occupent bien de mes enfants, s'ils font bien le ménage. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas. J'ai pas à m'inquiéter, quoi. Les couches, t'en auras assez, Laurent? J'en reprendrai. Jusqu'à lundi, mardi, je tiendrai le coup. Allez, tu viens mettre ça, s'il te plaît. Tu sais, t'as chaud, t'es tout rouge comme une tomate. Voilà, je te mets un peu d'eau. Là, je lui mets ce qu'on appelle un brumisateur d'eau. Parce qu'avec sa petite peau, quand il y a des grosses chaleurs, il rougit, il a tendance à rougir énormément. Et comme ça, on ne me dit pas que je tape mon fils, quoi. Au moins, l'eau va rentrer tout de suite, ça va lui reblanchir sa peau, il va avoir Vous avez déjà dit que vous tout à fait. Enfant. Oui, on m'a même dit qu'il était sale, par exemple. Si la science me demande un jour d'extraire, tout le bras, tout mon bras en peau saine pour lui greffer à lui, si la science a cette possibilité de le faire, je le ferai avec plaisir, quoi. Tu touches pas les cigarettes. Toutes les nuits, il y a des petits bouts de peau partout. Ça soit sur la couverture, dans le drap, sur le drap du tout.
Donc je suis obligé de tout enlever, de tout secouer par, par la fenêtre et refaire le lit. Ça vous est naturel ou il a fallu se forcer un peu au début? De faire le ménage? Non, ça m'est naturel parce que avant j'avais j'habitais à Paris, j'avais un appartement sur Paris, j'habitais tout seul. Et c'est ma mère, je dirais, qui m'a appris un peu tout ça. Donc bon, bah, moi je le fais naturellement et j'adore ça, quoi. J'ai pris un congé parental, ma femme, elle voulait travailler, donc elle travaille. Et ça se passe très bien comme ça, quoi. Regarde. Et à quelle couleur elle est, la confiture, là? C'est rouge. C'est rouge, ça? Non. Ah, bon, tu dis des bêtises, là. Vous êtes fière du temps que vous consacrez à vos enfants? Oui, tout à fait. Tout à fait, très très fier. Très fier. Je suis très fier de ces petits bouts-là. Et de vous? Oui, ils sont bons. Je dirais pas que je suis fier. Je dirais. J'ai un comportement normal. Là. Attends, je vais passer l'autre côté. Tu me le donnes? Tu me le donnes à moi? Je me posais la question quand même. Au début, les deux premiers mois, je dirais, est-ce que j'avais fait le bon choix? C'est vrai. J'avais fait le bon choix parce que il y avait une organisation à prendre que je n'avais pas trouvée dès le départ, en fait. Je n'avais pas trouvé du tout. Je m'embrouillais un peu les, entre guillemets, les pinceaux. Quand je dis je m'embrouillais pinceaux, c'est-à-dire la manière que je faisais, les enfants mangeaient à 2h de l'après-midi. Et là, vous vous êtes dit peut-être que je ne suis pas fait pour ça? C'est vrai qu'il y a, oui, il y a des fois, je me suis posé la question. Je ne suis pas fait pour élever des enfants. Ça, c'était fait. C'était vrai. Hein? Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on m'en donnerait encore deux à garder, je dirais pas non. Donc voilà. Allez, tu me donnes. Je joue pas avec. Eh oui. Hein, petit père? Hein, papa, il te doit bien ça? Oui. De rester avec toi à la maison? Pourquoi vous lui devez bien ça? Oh, bah, j'ai fait. Quand il est né, je dirais. J'avais déjà des problèmes avec l'alcool et le jeu. Mais en plus, j'en ai voulu qu'il soit né comme ça. Donc, j'ai accentué mes problèmes d'alcool, de jeu. Et malheureusement, je m'en suis pris au gamin. Il avait. Il était tout petit. Il avait jusqu'à ses 4-5 mois à peu près, je m'en suis pris à lui. J'en voulais. Il pleurait la nuit, je comprenais pas. J'y allais, au lieu de le réconforter et tout ça, au lieu de. Parce que je savais qu'il souffrait de sa peau, mais je l'ai su qu'après, ça. Non, j'allais le secouer comme un prunier. Et je m'en suis voulu. Donc, je suis allé à l'hôpital de Meaux, en psychiatrie, pendant 3 mois, interné directement, sans droit de visite. Mais entre-temps, il y a eu un autre passage où Mathieu, là, il a refait une chute de sa maladie très grave, puisqu'il a été momifié entièrement de la tête aux pieds. Il s'est retrouvé à l'hôpital de Reims, et j'ai retrouvé mon gamin momifié, quoi. De la tête aux pieds, on voyait que les yeux et le nez pour respirer. Donc j'ai eu une autorisation spéciale, je dirais, de l'hôpital pour aller le voir. Et j'ai eu je crois que ça a été le deuxième plus gros choc de ma vie, quand je l'ai vu comme ça. Je suis rentré sur Meaux tout seul, par mes propres moyens. Je me suis arrêté dans un café et j'ai bu tout ce que je pouvais boire. Mais ça a été les dernières gouttes d'alcool. Et je me rappellerai de la date, c'était le 6 février 1999. Quand il a vu que je suis partie avec Mathieu, il a dû se dire, ça y est, j'ai tout perdu, faut que je réagisse. Pourquoi vous vouliez partir? Parce que j'arrivais plus à vivre, j'arrivais plus à subvenir même aux besoins de Mathieu, quoi. Et il avait plus son lait, il fallait que je quémande à droite et à gauche. Je n'avais même plus de pain pour manger, je n'avais plus rien du tout. Donc je me suis dit, ça y est, il faut que je m'en aille, quoi. Il faut que je me trouve une nouvelle vie, quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Et puis, Laurent, quand il est rentré, il a dû se poser des questions. Et puis c'est là qu'il a dû se dire, bon, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Vous voyez, là, rien que du fait qu'elle leur parle, c'est un gros passement au cœur, parce que je m'imaginais pas vraiment, à l'époque, la situation dans laquelle je l'avais mise, quoi. Ça a été difficile, au début, de lui faire confiance? Oui et non. Parce qu'au début, je savais qu'il était guéri de son alcool, mais j'avais peur qu'il fasse comme au début, qu'il délaisse mes gosses pour sortir. Mais là, ça va mieux. Là, j'ai fait confiance entièrement. Pas de soucis. Moi, je dis que ça fait plaisir d'entendre, quoi. Quand votre femme vous dit, vous fait confiance, alors que j'ai en effet subir des vertes et des pas mûres, je trouve que pour moi, c'est revalorisant. Travaille bien, mon petit père? Ouais. On va le dire vite. Ça va, non? Ouais, ça va. Ouais, quand est-ce que tu viens boire le café?
Bah quand j'aurai le temps, parce que c'est avec aussi. Le boulot. Attends, franchement, t'habites juste là. Bah tu m'appelles de la fenêtre, tu me fais un coup. En fait, je suis connu comme une maman, quoi. Entre guillemets, pas comme un tombeur de ces dames. Voilà. Chercher un terme judicieux et assez sympathique. Plus connu comme une maman qu'autre chose, ouais. Ça, oui. Je le ressens, puisque je vous dis, je discute avec eux des enfants. Donc, c'est automatiquement par rapport. Les relations que j'ai avec ces femmes-là, avec ces mères de famille, c'est exclusivement parler enfants, de la pluie, du beau temps. Voilà. C'est ça. Tu viens, mon doudou ? Et ton papa, il est là tout le temps ? Oui, il est tout le temps, tout le temps. Tout le temps avec toi ? Ouais. T'as de la chance ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ton papa ? Hein ? Il est pas gentil, mon papa. Hein ? Il est pas gentil, mon papa. Pourquoi tu dis ça ? Oh, ça fait du mal à entendre, mais... J'essaie de me mettre à sa place. Bon, il y a des jours, je le comprends. Il y a des jours, je le comprends. Qu'est-ce que vous comprenez ? Qu'ils disent ça ? Il y a des jours, je comprends qu'ils le disent. Non. Parce qu'on dit que... Enfin, je me suis renseigné. Mathieu, s'il te plaît, mon cœur. On dit qu'un enfant n'a pas de souvenirs avant 3 ans. Pour moi, c'est peut-être faux, quoi, je trouve. Personnellement, je pense qu'il a des souvenirs. Tu me donnes ton épaule. Il faudrait que ce soit Mathieu un jour qui me dise « Papa, je te pardonne ». Il faudrait que ce soit lui. Là, oui, je serais vraiment rassuré, je serais... oui, là, oui. S'il me dit « Papa, je te pardonne du mal que tu m'as fait quand j'étais petit ça va me... Là, oui, ça va me redonner un coup de pêche, quoi. Énormément, oui, tout à fait. Mais il faut que ça soit lui qui me le dise. Outre ce désir de réparer ce que vous avez l'impression d'avoir cassé, cette vie-là d'homme au foyer, avec l'amour que vous donnez à vos enfants et celui que vous donnez à votre femme, ça vous suffit pour être un homme épanoui ? Ah, tout à fait. Tout à fait. Il y a des fois, il y a des jours, je ne cache pas que c'est la routine. Oui. Hein. Il y a des fois, j'aimerais bien reprendre une activité salariée. Mais je crois qu'il y a plus de jours où je suis heureux que des jours où j'ai envie de reprendre le travail. Ouais. C'est la culpabilité qui vous fait agir comme ça ou, oui. c'est l'amour que vous éprouvez pour... Alors, il y a un peu des deux. Il y a la culpabilité vis-à-vis de Mathieu et il y a l'amour pour toute la famille réunie. Mais je pense que... La première qui prime, ça serait la culpabilité. Et vous faites dépendre votre réhabilitation, en fait, de la réaction et des propos que pourrait tenir Mathieu. C'est quand même beaucoup de responsabilité pour ce petit bonhomme-là. Et vous en parlez devant lui, en plus ? Comment ? Vous en parlez devant lui ? Bah, c'est un petit garçon qui comprend tout. Donc, on a toujours appris à lui parler comme une grande personne. Donc, je ne vois pas pourquoi je me cacherais devant lui. Il doit savoir que papa, il a fait des bêtises. Il doit savoir que... Que même sur lui, j'ai pas été très, je dirais, correct avec lui. Donc, à force de lui dire, bah, peut-être qu'un jour, il va me dire, oui, papa, je te pardonne et je te pardonne du fond du cœur. Pierre, est-ce que vous pourriez envisager, vous, de quitter votre travail pour vous occuper de votre petite fille, Julie ? Oui, complètement, oui, puisque j'avais même envisagé de quitter ma femme. Oui. Je pense que quitter son travail, ça passe plutôt après. Certes. Oui. Mon histoire a commencé avec un petit peu comme beaucoup de parents qui sont ici, c'est-à-dire un premier enfant. Et puis le fait de savoir ma femme enceinte d'une fille, donc le premier est un garçon. Donc le choix du roi. Elle est arrivée une nuit. Après l'accouchement, c'était en pleine nuit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comme tout papa, je suis sorti, j'ai appelé mon frère. On allait faire la fête ensemble, puisque tout s'était bien passé. Il n'y avait rien. À ce moment-là, effectivement, on ne connaissait rien au sujet de ma fille. Le lendemain, je suis retourné voir ma femme, effectivement, à la maternité. Là, il y avait quand même les premiers petits soucis. C'est-à-dire qu'entre autres, elle ne tétait pas, elle ne voulait pas prendre le sein. Ça peut arriver, donc elle était passée au biberon. Et dans la journée, je suis passé dans la pièce attenante à la chambre de maternité. Donc une pièce qui était vitrée, là où on change les enfants. Et pendant qu'effectivement une infirmière, changeait ma fille, tout en se parlant elle-même, c'est-à-dire sans s'adresser à moi,
à parler simplement de tests chromosomiques au niveau d'une prise de sang qu'elle est en train de lui faire. Et là, vous êtes dit, c'est la trisomie 21. Là, j'y ai pensé, oui. J'ai pas pensé qu'à ça, mais effectivement, oui. je connaissais pas particulièrement la trisomie, mais quand on parle de chromosomes, oui, généralement, en général, on fait la relation assez vite. Et au bout de combien de temps vous en avez eu la certitude? Pas tout de suite, mais si, sur ce moment-là, si, j'avais quasi la certitude que c'était de ça dont elle voulait parler. Et comment vous l'annoncez ensuite, alors? Officiellement, quoi. On me l'a pas annoncé du tout. Ben, officiellement, ils ont énormément tardé. C'est-à-dire que ça s'est annoncé une fois qu'on est sorti de l'hôpital, à la sortie. Au bout de quelques jours, votre femme a exprimé son désir, une fois que c'était clair que votre petite fille était atteinte de trisomie 21, de séparer cet enfant. Quelle a été votre réaction à vous? Ce qu'il y a, c'est que, oui, on avait deux points de vue. C'est-à-dire qu'elle m'a annoncé qu'elle serait incapable, elle ne se voyait pas capable de gérer notre fille ou de supporter notre fille. Enfin, pas supporter dans le sens supporter sa trisomie, etc. Elle se sentait incapable de l'assumer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire une peur de ne pas pouvoir l'assumer plus tard. D'accord. Moi, j'avais une autre chose dont j'étais incapable, c'était de m'en séparer. Et vous étiez tiraillé un peu entre l'amour que vous aviez pour cette fille qui arrivait sur Terre et puis pour votre femme que vous aimiez. Oui, effectivement, oui. Ouais. Et c'est... quand vous avez... C'est un sentiment que je peux pas vous... Moi, qui est très dur à expliquer, mais je ne me sentais pas capable de me séparer de ma fille. J'aimais ma femme, effectivement, donc ça a été un... De la manière qu'elle ne se sentait pas capable de continuer avec elle, quoi. Voilà, exactement de la même façon. Donc c'était deux choses qui... Et on continuait tous les deux à s'aimer, donc... Et on a pris, effectivement, à ce moment-là... C'est pas une décision que l'on a prise, mais devant nos positions qui étaient complètement bloquées l'un comme l'autre, effectivement, on a envisagé complètement le divorce. C'était la seule solution. Mais tout ça en quelques jours, quoi. Hein. En quelques jours, oui, ouais. Puisque ça s'est... On était bon. Déjà, on n'était pas soutenus, puisqu'effectivement, ma fille est née fin juin. On est resté 2 mois sans aucun soutien. Effectivement, ou deux gens qui auraient pu nous resituer un petit peu ou nous aider. Qu'est-ce qui a fait que votre femme a changé d'avis finalement? Enfin, elle a souhaité avoir quelques jours pour faire le point. On a quand même réussi, effectivement, parmi les adresses que nous avait communiquées l'hôpital, on a trouvé une pouponnière. Et en se mettant en relation avec cette pouponnière qui se situe à Clichy, ils nous ont parlé, effectivement, pour nous permettre de faire un peu mieux le point, de nous conserver notre fille pendant... une semaine. Et c'est là que vous vous êtes dit... Moi, vous non. Et elle surtout. Moi, non, oui, ouais. Effectivement. Moi, de toute façon, j'avais pas l'idée de... Je ne pouvais pas, mais... Mais elle, effectivement, quand on est ressorti de ce centre, et le fait d'avoir discuté avec la psychologue, je pense aussi, on a parlé de son avenir. Et une dernière chose aussi, quand même, c'est que ma femme vient de la DAS. Donc, le fait de, elle, vouloir abandonner, c'était quelque chose de très dur pour elle. Parce qu'en même temps, elle prenait la décision de l'abandonner, alors qu'elle-même sort de la DAS. C'était il y a 4 ans, ça. Hein. C'était il y a 4 ans, oui. Et depuis, comment se passe la vie de famille? Depuis, parfaitement. Tout va bien. À partir du moment où vous avez pris cette décision de garder cette petite fille... Donc à la sortie de l'établissement, effectivement, on s'est regardé avec ma femme. Là, j'ai compris qu'elle avait pris... Elle n'a même pas eu besoin de me parler. C'est-à-dire que c'est vrai que ça s'est passé dans le regard à la sortie. Effectivement, j'ai compris qu'à ce moment-là, elle avait de l'amour. Je pense qu'avant, elle avait déjà de l'amour, mais... Mais là, elle avait vraiment pris la décision de la conserver. Et donc, c'était plus d'angoisse pour moi non plus. Ensemble, ouais. Parce que c'est vrai que j'avais aussi... Moi, j'avais pris la décision de la garder. De garder ma fille, oui, mais donc de quitter ma femme. Ce qui n'est pas évident que vous l'aimez. C'était quelque chose qui était très dur à supporter. Donc, effectivement, depuis... on a conservé notre fille. Elle est partie, elle va à la crèche actuellement. Elle rentre en maternelle à la rentrée. Et depuis, on a eu un troisième enfant, un troisième, un garçon. Et puis, oui, tout va bien à la maison. C'est un soleil. Vous parlez d'instinct paternel. D'instinct paternel, oui. Parce que je parle d'instinct paternel parce qu'au moment, à la naissance de ma fille, je ne pouvais pas dire que j'avais de l'amour pour elle. C'était pas de l'amour. Je ne sais pas si c'était de l'amour ou pas. Ce que je peux dire, c'est que je sentais qu'on ne pouvait pas me l'arracher. Qu'en pensent les hommes sur ce plateau de l'instinct? Moi, je pense que c'est un lien, en fait. Oui. Le fait de savoir qu'il y a ce lien, je dirais que moi, j'ai eu la même attitude. À partir du moment où j'ai su que mon ex était enceinte, je dirais qu'il n'était pas encore né, que le lien était déjà créé. Je pense que c'est dur de supporter d'avoir, pour un père, au moins pour moi, effectivement, je rejoins monsieur, c'est que supporter de savoir qu'on a un enfant sans même... avoir de relations avec lui. Ou pouvoir l'avoir, en l'occurrence. Oui, ou d'avoir de relations, ou d'avoir un contact avec lui. De savoir qu'on a un enfant sans le connaître,
D'accord. Denis, quelle vie vous avez quittée pour essayer de revoir votre fille, Laura? Eh bien, disons que à l'époque où j'ai rencontré la mère de ma fille, je vivais au Japon et j'étais commercial. Donc, du jour au lendemain où j'ai su que... Enfin, où j'ai pas pu m'entendre avec la mère, je dirais que je n'ai plus pu être commercial, je n'avais plus le sourire, je pouvais plus vendre, quoi. Donc, je dirais que c'était une question logique que d'abandonner ce métier et d'en chercher un autre. Donc, partir le Japon, revenir donc, en Europe. Il était clair que la mère allant en Allemagne, donc j'allais m'installer proche de la frontière allemande, le plus proche possible, alors que je suis originaire du Sud. Donc, je me suis installé à Metz. À Metz, donc, pendant 3 ans, je n'ai pas travaillé. J'ai cherché à prendre contact avec ma fille. Donc, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je l'ai cherché de façon personnelle en allant à côté, dans la rue à son jardin d'enfants, mais je l'ai cherché aussi de façon juridique. En fait, j'ai eu des droits de visite, mais en Allemagne, les droits de visite donnés par un tribunal de première instance ne sont jamais applicables, si la mère ne le veut pas, ce qui était le cas. Vous l'avez vu pour la première fois, quel âge avait-elle? Elle devait avoir 6 mois, c'est-à-dire que la mère avait déménagé sans laisser d'adresse. Oui. Ce qu'elle a fait 3 fois. Quand vous l'avez vu, vous n'aviez pas son autorisation pour autant? Ah non, pas du tout. Et vous l'avez vu dans quelles circonstances? Je l'ai vu, elle sortait de sa voiture pour aller donc, rentrer chez elle. Et là, vous avez aperçu votre petit bout de fille? J'étais pas très loin, donc je suis sorti derrière d'un buisson. Et donc, en planque? J'étais en planque, il y avait une rangée de buissons, c'était l'opportunité qui faisait ça. J'allais pas attendre juste devant, parce que sinon la mère passait en voiture et ne s'arrêtait pas. Donc j'ai attendu qu'elle se soit arrêtée, qu'elle prenne l'enfant dans les bras, et donc je suis allé à côté. Elle me l'a laissé voir une minute, je dirais. Une minute où j'ai vraiment... j'ai découvert ma fille, j'ai cherché à voir en quoi elle me ressemblait. Enfin, j'ai cherché à me reconnaître à travers elle, un peu, enfin, à voir... Alors, elle vous ressemblait? Oui. Oui, c'est vrai qu'elle elle a pris pas mal de traits de moi. Et je dirais que même maintenant, au niveau du comportement, du moins la façon dont elle se comporte avec moi, elle se comporte un peu en imitant ma façon d'être. Mais comment vous pouvez le savoir? Parce que vous l'avez vu, vous dites 120 heures en tout et pour tout. Oui, par exemple, je vais donner un exemple frappant. Une fois, donc, elle m'a vu souvent en altercation avec sa mère devant la voiture, et puis sa mère me disant de disparaître, de partir. Et donc une fois, j'étais au jardin d'enfants avec elle, et elle, donc en rusant à chaque fois. Tout se passait très bien. Elle était comme madame était là, c'était ma fille et moi j'étais là. Et donc, mais comment un grand garçon comme vous s'est incrusté dans le jardin d'enfants? Il y avait la barrière au milieu. Il y avait la barrière au milieu, je respectais la loi. Donc, et à un certain moment, la maîtresse d'école a trouvé que ça se passait très bien et lui a demandé de partir, d'aller en classe. Et elle a refusé violemment à la façon dont je m'exprimais vis-à-vis de la mère lorsque la mère m'ordonnait devant la voiture de partir. Vous avez pu reconnaître officiellement votre enfant, moi, en France? Je l'ai reconnu en France et en Allemagne. Alors, en France, ça a été très facile. J'ai simplement dit que je reconnaissais ma fille. Puis après, j'ai cherché à le reconnaître en Allemagne, donc devant le consulat allemand à Marseille. Et là, il a fallu que j'attende un mois. Et donc, en même temps que je la reconnaissais, il était écrit « je m'engage à verser une pension ». C'est-à-dire que je ne pouvais pas dire « je la reconnais, point barre ». Je la reconnais et je m'engage à verser une pension selon les modalités ci-jointes. Voilà. Bon, ce qui aurait été le cas, de toute façon. C'est ce qui est le cas. C'est ce que vous souhaitez, même, j'imagine. Oui, et je ce qui est le cas aujourd'hui? Oui, je paye la pension. Ah, d'accord. Vous arrivez à la voir maintenant, enfin, je veux dire, à vous mettre d'accord avec la mère pour pouvoir voir votre avec fille? Avec la mère, c'est impossible. Tout en payant la pension, pourtant. Tout en payant la pension, oui. Et maintenant, j'ai une décision de justice de tribunal de seconde instance qui a été appliquée la première fois le mois dernier. Il m'était interdit d'embrasser ma fille ou de la toucher, ne serait-ce, au cours de l'entretien, ce qui est une façon de la détruire psychologiquement, elle. Vous aussi, j'imagine. Oui, mais bon, moi, c'est moi. Un garçon. C'est moi, j'ai plus de facultés à comprendre les choses que ma fille. Et donc, je dirais que c'est surtout psychologiquement pour ma fille que c'est une chose que je ne peux pas accepter. Elle vous connaît, en tout cas, maintenant? Elle me connaît. Est-ce qu'elle vous reconnaît en tant que père? Elle sait que je suis son père, mais je doute qu'elle sache réellement ce que c'est qu'un père. Bien que sa mère se soit remise avec une autre personne, qu'elle se soit mariée, et que, d'ailleurs, elle porte le nom du nouveau mari. Eh bien, ça ne doit pas être très agréable pour vous. C'est très difficile à vivre, mais bon, je dirais que le plus dur, c'est ma fille qui le vit.
Moi, lorsqu'on me pose la question jusqu'où peut-on aller par amour pour mes enfants, je dis c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à l'Allemagne. Oui, mais si je vous la pose à vous quand même, parce qu'on va. Ah ben moi, j'irai jusqu'à ce que. Je dirais jusqu'au maximum, jusqu'à ce que je ne puisse plus, c'est-à-dire soit que je sois en prison, soit que je sois malade, soit que je ne sois plus sur Terre. Ah ouais, jusqu'au bout quoi. C'est jusqu'au bout, oui. J'en ai à Régine de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, sous les encouragements du 102. Bonsoir madame, bienvenue, vous entrez. Asseyez-vous au milieu, si vous voulez. On vous a dit là, d'accord, très bien. Régine, vous êtes la maman de deux enfants, dont l'un des deux qui est atteint d'une maladie rare et dégénérescente. Comment l'état de santé, pour aller un peu vite, de votre fils a-t-il évolué jusqu'à ses 14 ans? Il a évolué par palier, par poussée de sa maladie. Disons que pendant les premières années, les équipes médicales nous ont parlé d'un problème neurologique et puis moteur de coordination non évolutif. Donc on y a cru, lui aussi, il y avait énormément de rééducation à mettre en place. Et puis on va dire qu'il a eu l'apparition d'autres signes de gênes dans le quotidien vers l'âge de 10-11 ans. Donc là, il y avait quand même, on est maman, surtout les mamans, les papas, on a aussi. Mais enfin, je crois qu'on est avec eux peut-être plus présents pour certains gestes du quotidien. Je me disais, c'est quand même bizarre, il y avait des acquisitions qu'il avait eues. Qu'il perdait. Et qu'il perdait. Donc là, les équipes médicales ne nous ont pas plus écoutés. Hein. Et puis Rémi a eu quand même, si vous voulez, dans sa maladie, on sait maintenant que tous les stress, tout ce qui est facteur de stress, donc que ce soit émotionnel ou très grosse chaleur ou n'importe quel facteur de stress, fatigue déclenche une poussée. Justement, quand il a basculé dans sa maladie de façon flagrante, ça a été au début de l'adolescence, on va dire vers l'âge de 12-13 ans. Il était en cinquième, il avait subi des sévices, comme votre fils a pu aussi subir des moqueries, puis plein de choses, même des choses beaucoup plus violentes d'autres enfants. Donc Rémi, à ce moment-là, a eu un véritable état de choc. Il avait voulu se défenestrer, hein, puisqu'il n'avait plus envie de vivre. Depuis quelques années, il y avait quand même ce mal vécu d'un enfant qui se bat constamment hein, pour être intégré, pour être comme les autres. Et puis ensuite, il a été hospitalisé. Et ça a été 9 mois sur une année d'hôpital, en passant de service de neurologie en pédopsychiatrie. Avec, je sais pas, il a eu tout comme schizophrénie, psychose, syndrome maniaco-dépressif, mais ça ne collait pas avec son âge. Et on a eu la chance qu'une pédopsychiatre nous écoute avec mon mari, qu'on dise, écoutez, ça fait des années que Rémi a des troubles importants moteurs, n'a pas pu apprendre à lire, à écrire, parce qu'il ne pouvait pas coordonner ses mouvements oculaires, ses mouvements. Et on se demandait s'il y avait un lien, évidemment, dans tout ça. Et cette femme a été formidable, elle a proposé une IRM. Et effectivement, là, ils ont découvert qu'il y avait des lésions déjà importantes du cervelet, de la substance blanche. Et puis par étapes, comme ça... Donc une imagerie résonance magnétique qui est une radio voilà. Très perfectionnée. Là, il y avait, qui si vous voulez, quelque zones... chose de visuel qui confortait les équipes. Ouais. C'était pas nous, les parents, qui étions... Parce qu'on n'a pas été écoutés du tout, je pense, pendant très longtemps. Mmh. Et ça a été un problème aussi dans la maladie de Rémi, qui est une maladie mitochondriale. Et on sait maintenant que quand le diagnostic est précoce, on peut pas empêcher l'évolution de la maladie. L'infléchir. Mais on peut l'infléchir et la ralentir. On se pose la question, Régine, de savoir jusqu'où on peut aller par amour pour ses enfants ce soir. Jusqu'où avez-vous été? Moi, j'ai craqué à un moment et j'ai songé à supprimer mon fils. Ça s'est passé dans quelles circonstances? C'était il y a 3 ans. Donc, Rémi avait, il avait entre 14 et 15 ans. Et donc, il était adolescent. Donc, avec ce que l'adolescence implique en plus de la maladie, beaucoup, beaucoup de moments de souffrance. Il avait vraiment une demande à certaines époques, dans sa petite enfance, puis vers l'âge de 12 ans et jusqu'à 15 ans, il a beaucoup exprimé cette souffrance de vivre. Et comment cette idée vous est venue? À quel moment? Un moment d'épuisement absolu. Mais le jour où j'ai craqué, je pense qu'inconsciemment, il y avait eu tout l'accumulation dans de faits comme ça, de souffrance infinie de son enfant et où il avait demandé à être libre, libéré de tout ce qu'il avait pu vivre et des moments qu'il vit encore. J'étais très touchée aussi, madame, et je sais qu'on se comprend bien, toutes les deux. Qu'est-ce qui s'est passé, madame, alors, ce jour-là? Ce jour-là, c'est des circonstances complexes, je ne vais pas vous... Disons qu'il y avait eu plusieurs mois avec des épisodes éprouvants, aussi bien dans la vie de Rémi que dans notre vie familiale, affective, où vraiment on avait accumulé énormément de soucis, énormément
de choses lourdes à vivre. Et puis on est parti en vacances, enfin c'était nos premières vacances depuis quelques années, parce qu'on avait eu des vacances qui s'étaient terminées à l'hôpital avec notre enfant, hein. Donc ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas soufflé tous ensemble, heureux. Et on est parti avec Rémi et sa sœur Claire en Vendée, dans une maison qui était une amie. Enfin, une femme qui, pour nous, on pensait vraiment que c'était une amie. Et Rémi, effectivement, a été agressé pendant le tout début de son séjour là-bas. Alors, il était avec sa petite sœur, ils sont partis au terrain de jeu, là où des jeunes se retrouvaient de différents âges. Et comme il titube et qu'il est très maladroit dans sa démarche, des jeunes l'ont agressé avec un pistolet à billes pas en plastique, à billes. Et puis, quelques jours se sont écoulés. C'est vrai que Rémi, ça a déclenché chez lui un état de stress, c'est évident. Donc, une poussée ? Une poussée où, bon, il a du mal à se rendre compte, mais quand il est comme ça, c'est comme votre fils, il le reconnaît pas, mais il est... Voilà, il change de comportement. Nous, on reconnaît pas forcément Rémi tel qu'il peut être d'autres jours. Donc, on adapte, on module la vie. Et puis, un matin, donc, l'ami qui avait loué cette maison est venu nous retrouver avec son petit garçon. Et un matin, au petit déjeuner, moi, je dormais encore, Rémi a besoin qu'on lui fasse ses tartines, tout ça. Donc, il l'a un peu demandé brutalement. Et mes tartines, vous m'avez oublié, avec son père, cette femme. Et c'est vrai qu'elle l'a remballé. Donc, pour ne pas faire de mal, il s'est enfui. Il est parti, il a quitté cette maison, il est parti. Et moi, quand je suis arrivée pour prendre mon petit déjeuner, ben, je voyais que tout le monde était consterné. Donc, à ce moment-là, cette journée était gâchée. L'ami m'a dit que mon fils avait été odieux. Enfin, je sais plus ce qu'elle a pu me dire. Moi, j'ai voulu m'excuser en son nom. Donc, je suis allée la trouver en disant, écoute, vraiment, excuse Rémi. Et j'ai parlé de sa maladie. Et là, je la reverrai toujours avec grands yeux bleus. Belle fille. Moi, j'ai le sentiment qu'elle m'a foudroyée, là, qu'elle m'a achevée, parce que sa phrase... Ça a été... mais tout ça, c'est des foutaises, la maladie à bon dos. On a dû quitter cette maison, hein, parce qu'elle nous a fait comprendre qu'on était vraiment malvenus là. Donc, c'est nous qui sommes partis par très grosse chaleur. Ça aussi, ça m'a fait très mal, parce que Rémi fait des malaises, des coups de chaleur. Et je me disais, il va souffrir sur la route. Et on est arrivé dans un état d'épuisement et puis de non-dialogue, parce que devant les enfants, on n'en parlait pas dans la voiture. Avec mon mari, j'arrivais pas à en parler. En fait, les enfants sont arrivés, ils avaient faim, donc ils ont mangé. Mon mari avait très mal à la tête, donc il est parti se coucher. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Un déclic à un moment, je suis montée pour me coucher. D'abord, j'ai été promener la chienne, j'ai revu toute sa vie. Tout ce que Rémi avait vécu, subi, donné et souffert, et ses demandes, où à un moment, mon enfant à l'âge de... en cinquième, il avait subi des choses violentes, il m'avait dit, mais c'est normal, maman, que je vive ça, moi je suis coupable d'exister. Alors ça m'avait assommé d'entendre mon enfant, je me disais, mais c'est pas possible qu'un enfant dise, je suis coupable d'exister. Il est là, il est formidable, il est extraordinaire, et il faut arriver à ce qu'il ait sa place dans la vie, auprès des autres. J'ai basculé, mais ça s'est fait en quelques secondes, donc après on se sent un monstre absolu, basculé dans l'idée de que Rémi soit libre. Qu'est-ce que vous avez fait ? Heureux. Ben, j'étais dans la salle de bain. C'est un truc de fou, moi. J'avais une petite poubelle, un petit récipient poubelle dans lequel il n'y avait plus de sachets. Et je suis un peu maniaque. Je suis biologiste, il y a peut-être ce côté, les microbes. Donc, j'ai pris un petit sachet dans un tiroir. Je l'ai secoué. Oh, j'ai du mal à parler de ça. J'ai voulu le mettre dans ce petit récipient. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas obligée de nous raconter comment vous l'avez fait, madame. Voilà, disons que ça a été... Vous n'avez pas été au bout, en tout cas. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller au bout ? Parce que je l'adore. Et qu'à un moment... Pendant ce moment-là, tout d'un coup, il y a eu conscience s'est retournée. C'est monstrueux. Et Rémi a plein de moments de choix de vivre. On l'aime et je ne peux pas faire ça. Vous parlez d'une pulsion effroyable, vous l'avez ressentie au... Ah oui, je pense que c'est une pulsion effroyable. En même temps, on m'a aidé plus tard à me pardonner. J'ai réussi, hein, je pense, partiellement. Puis mon enfant, mon fils, m'a pardonné. Hein. Il vous l'a dit ? Ah oui. Comment vous l'a-t-il dit ? Tout de suite. Dès le matin qui a suivi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je descendais toute honteuse. Enfin, vrai, mal, malade. En même temps, je n'ai pas rêvé. J'ai eu ce geste. C'est affreux. Et il était sur le canapé. Il a beaucoup d'humour, hein, mais... Et je suis allée vers les enfants. Ma fille se doutait de rien. Et lui, en me voyant venir vers lui,
Bah, il s'est redressé, puis il m'a pris comme ça dans ses bras. Il n'est pas câlin, pas particulièrement câlin. Mm-hmm. Puis il m'a murmuré, dis donc, maman, tâche maintenant de faire moins la fête et de mieux dormir les nuits. Hein. Et voilà, pour pas péter les plombs. Bah, c'était à peu près ça, voilà. Et donc ensuite, il a été le plus acharné des défenseurs pour que je ne parte pas en prison, pour que... Voilà. Il avait dit au juge, d'ailleurs, qu'il ferait exploser le tribunal. Enfin, bon. Et qu'est-ce que le tribunal a décidé? Un non-lieu. Ouais. Un non-lieu. Je crois qu'on a pu se mettre à votre place, madame, et comprendre ce qui peut se passer. Là, ça va très loin. Et quand vous disiez que c'était pour le libérer, je crois qu'on peut le comprendre aussi. Merci pour votre témoignage, madame, en tout cas. C'est difficile de dire tout ça. Hein. Où est-ce que vous regardez? Petite famille, ma fille, Claire, derrière Claire. Où nous ça? Nous avons deux Claire. Claire. Jory, qui est le meilleur ami de mon fils. Ouais. Et puis Rémi et mon mari. Voilà. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tous. Janine, vous accompagnez donc l'autre Claire, votre enfant, dans une situation qui n'est évidemment pas facile à accepter pour une mère. Oui, surtout mais enfin, que ça a été... à côté de tous les cas qui sont là... Ça nous paraît léger. Ça vous paraît léger. Oui, ça n'a pas été au moment où vous avez vu que votre fils souhaitait devenir une femme, après 6 ans de séparation. Oui. Ça vous fait un choc. Et puis, bon, après, ben voilà, on a discuté pendant plusieurs heures. Dès la première rencontre, après ces six ans. Oui, parce qu'elle est venue à la maison. Elle est venue à la maison, elle m'a téléphoné après avoir savoir que, bon, quand elle a su, j'avais pris contact avec mon ex-mari. Mon ex-mari lui a dit, donc elle m'a téléphoné, m'a demandé si elle pouvait venir à la maison. Mmh. Ben, je lui ai dit que oui, bien sûr. Et donc, voilà, elle est venue, on a discuté pendant plusieurs heures. Mmh. Et puis, ben, quand elle est partie, ben, je lui ai dit, écoute, tu peux venir quand tu veux. Mmh. Voilà. Donc, il y avait des histoires anciennes où vous disiez, Claire, au début de l'émission, que depuis l'âge de 6 ans, vous aviez... c'est ça, 6 ans, ce que vous nous avez dit. Oui, tout à fait. Ouais. Ressenti ce besoin très profond de d'être une femme. En disant que depuis l'âge de 6 ans, bon, j'ai compris que j'avais un problème quelque part. Mm. Et j'ai pu mettre un nom sur ce problème à partir de 15 ans. Voilà, je tombais sur un article d'une femme transsexuelle qui était opérée. D'accord. Et ça vous a éclairé sur ce que vous, vous ressentiez profondément. Ouais, absolument. Et vous, madame, il y a eu plusieurs signes pendant l'enfance et l'adolescence qui vous ont... Oui, oui, disons vers l'âge de qui aurait pu vous alerter. Oui, qui aurait pu m'alerter. Et moi, franchement, moi, d'ailleurs, maintenant, je me suis culpabilisée, c'est sûr, parce que je me suis dit que je n'étais pas à la hauteur. Cette annonce dont on parlait il y a quelques instants a été l'occasion de retrouvailles, puisque votre divorce a conduit indirectement à couper les ponts pendant donc 6 ans, hein, avec Claire, c'est long, 6 années de rupture, dont vous avez souffert, je crois, toutes les deux. Ah oui, moi j'en ai... Clairement. Vous habitez pourtant à quelques kilomètres l'une de l'autre. Ce sont des rumeurs de village qui vous ont alerté sur la fragilité psychologique de votre enfant. Vous avez donc eu un double choc, celui des retrouvailles 6 ans après, puis celui de la nouvelle identité de Claire. C'est un reportage de Virgile Lado et de Corinne Biès. Pendant des années, Claire se cachait derrière Eric, agriculteur. Pendant 6 ans, Claire n'a plus parlé à sa mère, avant de lui révéler brutalement ce secret devenu trop lourd à porter. Si je compare par rapport à d'autres mères qui ont pu vivre la même situation qu'elle, oui, je dirais qu'elle a eu quand même un comportement qui est très très fort. Oui. Elle a fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'humilité. Je pense qu'elle a... Elle a mis de côté ses a priori ou tout ce qu'elle pouvait penser sur ce sujet. C'est vrai que c'est uniquement son cœur de mère qui a parlé, c'est tout. Bon, déjà avec ça, ça sera pas mal déjà. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous l'avez revu? Ah, ça m'a fait un choc. Au départ, ça m'a fait un choc. Enfin, ça m'a... Oui, si, ça m'a fait un choc. Parce que, bon, quand vous avez l'image de votre enfant, disons, en tant qu'homme, hein, c'est un homme, et puis que d'un seul coup, vous revoyez cet enfant transformé, hein, parce que, bon, elle avait déjà... Pour resituer la situation, je me suis pointé. Déjà avec 15 ou 20 kilos de moins. Oui, déjà. J'étais en mini-jupe. Déjà, oui. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un contraste quand même. Mais c'est moi qui l'ai mis au monde. Hein. Elle m'en a voulu parce que, bon, je pense que quelque part, elle m'a responsabilisée un petit peu, quoi.
Je pense pas, je sais pas. Que tu m'aies mis au monde comme ça. Oui, non. Non, je t'en ai peut-être voulu pour le problème de ne pas t'être rendu compte dans la détresse dans laquelle j'étais. La séparation a été un prétexte pour faire ressortir un petit peu toutes les colères que je pouvais avoir contre toi. Ouais. Voilà. Et c'est vrai je me suis servi de ça, c'était une solution de facilité pour moi, de façon à fermer tout contact et tout lien avec toi. Ce fond-là, tu vois, Depuis leur retrouvaille, Claire et sa mère Janine réapprennent à se connaître. Ils en font quand même des grandes voitures comme ça. Tu as un tabac jusqu'au 45. Ah d'accord, ça c'est super. Moi je suis nulle en voiture. C'est sympa. La première fois que Claire s'est intéressée à des vêtements féminins, ben disons que ça remonte à l'adolescence. Bon, disons qu'elle me chipait mes sous-vêtements dans l'armoire. Voilà. Je faisais ça en cachette et je ne voulais absolument pas que quelqu'un puisse découvrir que je pouvais être différente des autres. Et quand votre mère a découvert, quelle était votre réaction? Je disais rien, je restais prostrée, je me renfermais encore plus sur moi-même et puis voilà. Moi, j'ai pas du tout pensé à une transsexualité à l'époque, hein, à cette idée d'être femme, quoi. Pour devenir une femme dans sa chair, Claire a décidé de se faire opérer. C'est la première fois que sa mère l'accompagne pour une consultation. Cette consultation-ci a pour but d'aller un petit peu plus loin dans la décision quant à une prise en charge chirurgicale. D'accord. Qui, elle, sera donc définitive. Oui, oui, tout à fait. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas le traitement idéal. Le traitement idéal serait de ne pas opérer. Bien sûr, mais... Oui, mais de faire quoi? Oui, mais de toute façon, voilà. De faire quoi à la place? De toute manière, pour aboutir à ce que la personne... désire être, je pense qu'il n'y a que l'opération. C'est même plus le fait de désirer être, non, c'est le fait d'être. C'est d'être, oui. Et l'opération, alors ça consiste en quoi? Parce que ça, Claire, ça l'a... L'opération consiste à mettre en place donc des prothèses que l'on place derrière le muscle pectoral et qui remplace donc la glande mammaire et donne un résultat sur le plan esthétique qui est très satisfaisant. Mmh. Il y a souvent des histoires familiales douloureuses qui font qu'on n'a pas la famille en consultation. Alors, parfois des compagnons, la mère, c'est très rare. Donc c'est une situation exceptionnelle aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois, mais c'est exceptionnel. En tout cas, c'est peut-être la première fois que j'ai la patiente en consultation avec sa maman, avec, semble-t-il, un accord ou... C'est un peu ce qui nous a rapprochés. Oui. Pour moi, l'opération, c'est une renaissance. Donc, comme c'est ma maman, ça me paraît logique qu'elle soit là. Oui. Avant d'afficher sa féminité au grand jour, Claire était mariée et père. Par amour pour sa fille, elle n'a pas coupé le contact avec son ex-femme et son enfant. Tania, t'es prête? Ouais. Pour y aller? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas, je sais rien encore. Merci. Bon, allez, on va y aller, à plus. Ouais. En route, c'est parti. Mm-hmm. Il dit au revoir, non? Peut-être? Écoute, comme tu veux, je ne peux plus avancer. Comment tu appelles ton papa maintenant? Claire. Et comment tu le considères? Comment tu la considères? Comme une femme. Au fond de mon cœur, je sais que c'est mon papa, mais extérieurement, c'est une femme. Ça m'a fait un peu drôle au début, mais après, je me suis habituée. Donc, bon. Puis de toute façon, au bout d'un moment, faut bien s'habituer. Je crois que j'ai vécu pendant quasiment 25 ans pour les autres, pour faire plaisir aux autres. C'est vrai que là, maintenant, j'essaie de vivre pour moi, de faire ce que j'ai envie de faire. Sans trop penser, c'est vrai, ce que les autres peuvent endurer. Allez. Allez, Alice. Salut. Salut. À ce soir. À ce soir. Est-ce que vous avez eu peur des rumeurs un peu dans le village? C'est vrai qu'avec mon ex, on a toujours essayé de se protéger contre ces rumeurs de façon à protéger notre fille. Pour protéger son environnement scolaire, déjà, pour éviter qu'elle ait des problèmes avec ses copains ou ses copines, et qu'elle se fasse rejeter. Est-ce que votre mère en a souffert de ces rumeurs?
Je pense, oui. Elle a été également au devant des personnes qui racontaient ces rumeurs et elle les a calmées assez rapidement. Elle vous a soutenu? Ah oui, elle m'a soutenu, oui, absolument. Et ça, vous lui êtes reconnaissant? C'est même plus que de la reconnaissance, oui. Je crois que c'est aujourd'hui ce qui nous unit. Mais moi, je pense que d'après... je pense que celle-ci, ouais. Je pense qu'il y a celle-là et celle-là, ça doit être l'année d'après. Quand vous voyez ces photos, qu'est-ce que ça vous fait? Ben maintenant, je me dis que ben c'est le passé, hein, de toute façon. C'est le passé, je crois que maintenant, ben, il faut vivre avec l'avenir, hein, maintenant. La nature a fait évoluer mon enfant d'une façon différente, mais autrement, bon, c'est toujours... c'est toujours l'enfant que j'ai mis au monde au départ, hein, est toujours là. Et moi, je me dis, bah, au départ, je désirais une fille, bah, maintenant, la fille, je l'ai, voilà. C'est tout. C'est tout simple. Voilà, je l'ai, là. Ça fait un choc de voir son enfant complètement transformé. Et... Bon, c'est vrai que c'est dur à accepter au départ, très dur. Elle tenait vraiment à ce qu'on l'appelle par son nouveau prénom. Mais il y avait des fois, je l'appelais, mais j'avais du mal. Alors, de temps en temps, ben, son premier prénom m'échappait. Échappait encore. J'arrivais encore à l'appeler encore Eric. Et puis après, ben, c'est le jour de ton anniversaire. Hein. Jour de ton anniversaire, et ben j'ai décidé qu'à ce moment-là, et ben ça serait clair. Et puis depuis ce jour-là, ça a toujours été clair. On va voir ça avec un peu de recul, comme ça vous touche. Oui. Et vous, Claire? Moi également, ouais. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans tout ce qui a été dit? C'est un petit peu tout ce qui s'est passé en l'espace de 2 ans. C'est une nouvelle relation qui s'est créée. C'est ce que j'ai dit au départ, j'ai retrouvé une maman aujourd'hui. Chose que je n'avais peut-être pas avant. Que vous aviez perdue. Disons qu'on se sent plus proche maintenant. Est-ce que ça vous fait regretter de ne pas lui avoir parlé plus tôt? Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Je regrette énormément, oui. Et puis bon, disons que... Oui, puis bon, je me culpabilise de plein de choses, quoi, de tout ce qui s'est passé avant, que je n'ai pas su voir, que je n'ai pas su... moi, je me dis, j'ai manqué, j'ai eu l'impression que, si vous voulez, bon, parce que j'ai un autre enfant, j'ai mon fils aîné, mais j'avais l'impression d'être pourtant très proche de mes enfants, de les écouter, de les suivre au maximum, le plus près que je pouvais. Puis je me dis, bah, finalement, il y a quelque chose que j'ai manqué, quoi. Vous imaginez que votre maman vous aimait autant pendant toutes ces années? Honnêtement, oui. Honnêtement, non. Oui et non. Oui. Oui et non. C'est vrai que... Alors oui, et non. Non, mais c'est pas évident, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où il y avait quand même pas mal d'amour qui se dégageait, et d'autres moments où c'était les moments de crise, de colère, de choses comme ça. À quel propos? À propos des vêtements que je lui piquais, donc... Ça venait régulièrement, ça c'est... Ah oui, oui, c'est... Oui. C'était souvent? C'était assez souvent, oui. Assez fréquent. C'était et pas puis, anecdotique. Bon, ben, alors maintenant, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que, justement, qu'on essaye de dialoguer ensemble, que j'essaye au moins de lui parler, au lieu de me mettre dans des colères comme je me mettais, et puis essayer même à la limite d'aller voir... Par exemple, un médecin, d'aller voir quelqu'un qui puisse nous conseiller au moins comment agir avec... voilà, bon, et puis ça, non, je ne l'ai pas fait, quoi. On parle des relations avec ses enfants. Vous avez un enfant, vous aussi, Claire. Comment vous lui avez expliqué la situation? Elle a 9 ans aujourd'hui. Elle a 9 ans et demi aujourd'hui, oui. Je lui ai expliqué ça simplement. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 ans, je l'ai prise à part. Et je lui ai expliqué tout de A à Z. C'est-à-dire que vous étiez un garçon qui ressentait très fort le besoin de devenir une femme? Tout à fait. Aussi simplement que ça? Je ne lui ai pas expliqué tout le parcours dès le départ. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont quand même relativement durs à expliquer. Mais bon, j'essaie de tout l'expliquer. Oui. Elle n'a peut-être pas tout compris au départ. Il a fallu 4-5 mois à peu près. Mais aujourd'hui, elle a tout compris. Oui. Elle sait également bon, le passé psychiatrique que je peux avoir également. Enfin, de courte durée quand même. Mais enfin, bon, les 2 tentatives de suicide, l'hospitalisation
en centre spécialisé également. On va donner la parole à Paulette, qui nous a parlé tout à l'heure de sa fille Caroline, au début de cette émission, qui a sombré dans la toxicomanie autour de l'âge de 18 ans. Et pourtant, vous non plus, vous ne l'avez pas vue, madame. Non, je n'ai pas vue. On pensait, puisque nous, enfin, quand on s'est aperçu que ça a foiré, parce que... Ça a foiré. Que quoi a foiré? Bah, l'école, d'abord, le lycée. Au niveau des notes, hein, je veux dire, on s'en est rendu compte comme ça, au niveau des notes. Nous, on avait l'habitude de manger le soir à 5, à table. C'était le seul moment où on pouvait se retrouver. Et puis, ben, ça riait plus, quoi. Hein? Ça faisait la gueule, comme on dit, ça riait plus. Et puis, bon, je veux dire, elle avait une attitude assez, un petit peu agressive. Donc, avec mon mari, on s'était dit que c'était certainement l'alcool. Donc, on a marqué nos bouteilles d'alcool au stylo. Pour voir si les niveaux baissaient. Oui, oui. Et ben, c'était pas ça, bien sûr. Entre deux, on s'était fait aussi convoquer deux fois au lycée, parce que, bon, elle avait fait preuve de beaucoup d'agressivité vis-à-vis des professeurs. Bon, on s'y était rendu, bien sûr, mais en fait, on savait pas. Hein. On savait pas du tout. Et jamais, je vous assure, on est peut-être stupide, mais jamais on avait pensé que c'était la drogue. Et puis un jour, on en a eu marre, quand même, de cette attitude. Et puis, ben, moi, je suis une râleuse, hein. Bon, donc j'ai tapé du poing sur la table, puis j'ai dit, ben voilà, tu vas nous dire. Je crois qu'on est resté des heures autour de cette table de cuisine. Ouais. Mais oui, et elle nous a dit, ben je me drogue. Ben, on est tombé des nues quand même, hein, parce que bon, moi la drogue, bêtement, j'étais restée au pétard de 68. Hein. Je veux dire, ben oui. Elle vous a dit quoi exactement? Ben, elle m'a dit, je prends de l'héro. Je dis, bon, l'héro... pour danser d'héroïne, mais je veux dire, on ne savait rien, quoi, sur l'héroïne. Vous n'avez pas compris sur le non. Coup, hein. Non, je n'ai pas compris. Puis on pouvait... Enfin, à mon avis, tu ne peux pas penser à quelque chose dont tu ignores tout. Ce n'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quels sont les premiers mots que vous avez essayé d'utiliser pour recréer un contact avec elle? Un contact que vous aviez perdu depuis plusieurs mois, déjà? Ben, je crois que j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit. Je lui ai dit « je t'aime ». Oui. Parce qu'en fait, les gens de ma génération, moi je vais avoir 56 ans, je veux dire, les gens de ma génération, moi mes parents m'ont jamais dit « je t'aime hein, ». Ça se faisait pas quand même dans le temps, si je peux dire. Bon, je savais que mes parents m'aimaient, hein, parce qu'il y avait les bisous, les câlins. Je crois que nos filles savaient qu'on les aimait, parce qu'il y avait aussi les bisous, les câlins. Mais j'ai jamais dit. Je l'ai dit à un homme, hein. Mais on ne le disait pas à ses enfants, parce que je ne l'avais pas reçu. Comment a-t-elle réagi? Ben, je crois qu'elle a fait un câlin, quoi, un de plus. Mais elle a été surprise, et après, forcément qu'elle a été surprise. Mais après, tout le temps, elle disait, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Parce qu'elle savait qu'elle se détruisait, qu'elle détruisait la vie de sa sœur, la nôtre. Et on lui disait, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand son enfant souffre? Bon, on avait demandé au médecin des calmants, que je planquais, bien sûr, hein. Mais je crois que j'aurais donné n'importe quoi pour pas voir son enfant souffrir. Une crise de manque, c'est épouvantable. Je veux dire, tous les muscles sont crispés, l'enfant, enfin le jeune, hein, c'est pas un mécri, enfin c'est son enfant. C'est épouvantable, quoi. Une crise de manque, le médecin disait que c'était comme quelqu'un qui a un cancer et qui est au dernier stade de sa vie, donc c'est hyper douloureux. Je crois que c'est reconnu scientifiquement. Mais que font des parents? Oui, il existe, quoi, maintenant des produits de substitution qui n'existaient pas à l'époque. Non, non, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Il n'y avait que les calmants. Jusqu'où vous avez été par amour pour votre fille? Vous nous avez raconté un peu toutes ces poursuites au début, essayer de la retrouver dans des caves, dans des squats, courser les dealers, essayer de leur dire, mais laissez ma fille tranquille. Et puis essayer de coincer aussi son copain, qui était aussi son dealer, si j'ai bien compris ça. Oui, on a essayé, mais je peux dire que bon, ça fait 8 ans et demi que ma fille est décédée. Mais on a découvert le sentiment de haine. Moi, je ne sais pas si je réussirais, mais je crois que si mon mari le voyait, il le tue. Parce qu'il a détruit la vie de ma fille, il a détruit la vie de ses sœurs, quand même. Il a détruit notre vie, il a tout détruit. Vous avez été confronté à ce type? Oui. Oui, parce que, en fait, au départ, Caroline avait connu au lycée, donc... Et puis, elle voulait partir en vacances dans la famille de ce type. Bon, il était 2 ans plus vieux qu'elle, donc pas... Pas un grand écart d'âge. Non. Et puis, bon, j'avais dit OK, mais... Parce qu'elle avait 18 ans, c'était
avant qu'elle ne se drogue quand même. Hein. Et j'avais dit, ok, mais on va rencontrer la famille quand même, hein, pour savoir où tu mets les pieds. Donc on avait rencontré la famille qui semblait tout à fait correcte. Hein. J'ai rien à dire sur ces gens. Mais lui, c'est une petite merde, quoi. Tu peux pas lutter contre l'amour de ta fille sur un type, même si c'est un sale type. Et il avait une vraie emprise sur elle ? Oui. Jusqu'à quel point ? Bah, en fait, il la battait. Hein. Il la battait. Et hein, il a voulu la mettre sur le trottoir. Mais là, ça a été le déclic pour ma fille. Parce qu'elle n'a pas voulu aller sur le trottoir. Et là, elle a dit, faut que vous m'aidiez maintenant, je veux m'en sortir. À vous ? Oui, à mon mari et moi. Elle voulait. Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Bah, d'abord, on l'a caché parce qu'il cherchait tout le temps après. Il venait sonner la nuit, téléphoner tout le temps. Il disait à mes filles, si tu ne dis pas où est ta sœur, je vous plante. Enfin bon, ça a été quelque chose d'épouvantable quand même. Et enfin, nous, on avait une Renault 25 à l'époque. Donc, quand la voiture était dans le garage, on couchait Caroline à terre derrière. Et ses deux sœurs étaient assises, normalement. Puis on sortait et on l'a caché 2 mois chez des amis à nous, 1 mois chez ma belle-mère. Ensuite, elle est partie dans le sud. Mais je veux dire, pour faire 15 kilomètres, on en faisait 60, on prenait les petites routes, nous suivait, nous talonnait. Il voulait nous rentrer dedans. Mais pourquoi il ne la lâchait pas, comme ça ? Il disait que c'était sa chose. Sa chose ? Oui. On a été confrontés aussi au mépris des gens. Je veux dire, quand vous êtes parents d'enfants toxicomanes, enfin nous, Caroline, elle avait fait l'objet d'un fait divers, elle était impliquée dans un très gros trafic de drogue. Donc son nom avait été marqué dans le journal. Et puis, nos voisins, il y en a qui ont craché sur notre voiture. Mon mari tient un commerce, donc il avait des coups de fil anonymes et on lui disait s'il y avait du chambard dans le petit quartier où on habitait, tes putains de filles, alors que c'était pas nos filles, quoi, je veux dire, sans arrêt. Je veux dire que, bon... Vous êtes beaucoup occupée de votre fille aînée pendant toute cette période, oui. Pendant combien de temps ? Tout le temps. Mais ça a duré sur une période de combien de temps ? 4 ans, Caro a démarré l'héros à 18 ans et elle est décédée à 22 ans. 4 ans. Et elle a essayé de décrocher, de s'arrêter Oui. En fait, quand son copain a voulu la mettre sur le trottoir, elle n'a pas vraiment décroché, elle a pris beaucoup de tranquillisants, mais ce n'était pas clair dans sa tête, quoi. Elle voulait surtout sauver sa peau. Hein. Et puis ensuite, quand elle a été prise dans ce gros trafic de drogue, elle a quand même été en garde à vue, je veux dire, c'est pas simple, hein, une garde à vue. Et puis, elle a dit là, allez, je vais faire une cure. Mais c'était pour la justice. Elle n'avait pas la volonté profonde. Non, quoi. Elle était sous contrôle judiciaire, donc c'était pour montrer à la justice qu'elle faisait quelque chose, mais c'était pas vraiment sincère. Mais à l'époque, c'était dur quand même de trouver un hôpital qui faisait le sevrage et ensuite trouver une post-cure, c'était pas facile. Il y avait beaucoup de demandes et pas beaucoup de places, mais enfin, là, elle a eu de la chance. Donc, elle a fait un premier sevrage, une première post-cure. Et un jour, elle a dit, ça y est, je suis décidée, je me soigne. Donc, elle est allée voir un organisme qui s'occupe de ces jeunes. Et elle a dit, je veux rentrer à l'hôpital psychiatrique 3 semaines, parce que les sevrages se faisaient ou dans un hôpital public ou à l'hôpital psychiatrique. Comme elle avait déjà fait l'hôpital public, elle a choisi l'hôpital psychiatrique. Donc, elle est restée 3 semaines, elle est partie en post-cure à Marseille, dans le bout de la France. Et puis, elle est revenue un petit peu, puis elle est repartie. Mais comme elle était revenue un petit peu, elle a dû refaire un sevrage pour repartir. Il faut être clean quand même. Hein. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Un jour, on vous a appelé pour vous dire qu'elle était, qu'elle était morte d'une overdose, ce que vous n'avez jamais cru, d'ailleurs. Non, c'est... En fait, moi, j'ai discuté, quand ma fille est décédée, on m'a appelé, on m'a dit, votre fille est décédée. On n'a pas trop pris de gants, quoi. Et puis on est descendu, mon mari et moi, à Marseille, pour essayer de voir le corps, qu'on ne nous a pas laissé voir, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'étais pas en état de me battre. Hein, je veux dire... Oui, c'est un tel choc. Ah oui, quand même. Et le directeur
de l'organisme nous a dit que c'est lui qui nous a dit que c'était pas du triclo, parce qu'on avait dit que c'était une overdose de triclo, mais il nous a dit que c'était pas du triclo, que c'était de l'héroïne et qu'il n'y avait pas de seringue. Donc, on est rentré. Et puis, entre deux, on a eu le certificat de décès, là. Et puis, c'était trompé de 2 jours. Ils ont fait mourir 2 jours avant, ma fille. Donc, moi, j'ai appelé l'inspecteur de police. Je lui ai dit, enfin, ça ne va pas. Vous faites une autopsie, une contre-expertise, et vous vous trompez de 2 jours sur le certificat de décès. Il dit, bon, il m'a rappelé, il a dû chercher, je ne sais pas quoi. Il m'a dit qu'il s'était trompé de cadavre. Ça fait bien une mère qui vient d'enterrer sa fille, quoi. Hein, c'est génial. Ben voilà. Et donc, on a mis 3 ans avant de voir le rapport d'autopsie. Mais sur le rapport d'autopsie, il est marqué décès par triclo ou héroïne. Donc, on a demandé le rapport toxicologique, puis on ne l'a jamais eu. Mais le triclo, c'est un produit d'entretien. Oui, c'est ça. Mais ça se sniffe, hein, le triclo. Hein. Ah. Donc, oui. Voilà. Et on a laissé tomber parce que bah, on a encore 2 filles, mais on a 5 petits-enfants. Et j'ai plus envie de me battre. Vous avez envie d'aller dans le sens de la vie, quoi. Oui, oui. Je demandais à Odile de venir nous rejoindre. Odile qui va venir la bouteiller. Comment ça, madame? Odile, vous êtes la maman de 3 enfants, dont 2 sont toxicomanes également. Oui. Qu'avez-vous dans un premier temps accepté ou subi de la part de vos 2 fils avant de décider de vous séparer d'eux? Alors j'ai accepté, subi surtout. Hein. Mmh. J'ai subi surtout tous les travers et tous les problèmes que les parents d'enfants toxicomanes connaissent. Alors bien évidemment, ce que Paulette a expliqué, j'ai connu, on a connu tout, on a connu les crises de violence, on a connu les fugues, les mensonges, les vols, on a connu tout ça, jusqu'à arriver donc à un point où on ne pouvait plus vivre comme ça. Quoi. Donc, mais enfin, tous les parents d'enfants toxicomanes connaissent bien nos malheurs. Hein. On est tous, malheureusement, on est tous sur le même schéma et nos enfants nous font subir exactement la même chose, pareil. Quel âge avaient-ils quand ils ont commencé à être agressifs? Alors Jean a commencé à foirer, pour utiliser le même mot que Paulette, aux alentours de 15 ans, 13 ans à peu près, 13 ans, je dirais 13 ans. Très petit, ouais, très jeune. Ouais. Au moment de, le début de l'adolescence, oui. Mmh. À foirer, c'est-à-dire à prendre quoi, des drogues dures aussi des... Ça veut dire, non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas aussi facile et aussi net que ça. Hein. Ça veut dire que nous, les parents, qui sommes pourtant bien placés pour le voir, on met des années à s'apercevoir et surtout à accepter qu'il y a un problème de toxicomanie. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des problèmes, on voit bien que son gamin a des problèmes, ça va pas à l'école, ça va pas à la maison, il y a des soucis, etc. Mais bon, on se dit, c'est la puberté, c'est l'adolescence, ça va lui passer, bon, puis... Il y a des périodes de rémission, il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où ça va moins bien. Donc, faut vraiment avoir les choses en face de soi et sous les yeux pour se rendre compte qu'il y a un problème de toxicomanie. Mais ça met des années. On met des années à accepter ça. À le comprendre assez vite, mais à l'accepter, ça prend beaucoup plus de temps. À le reconnaître, en fait. À le reconnaître, hein. Oui. À le reconnaître. Oui. C'est parce que vous ne supportiez plus la vie qui vous faisait mener ou parce que vous pensez que c'était la meilleure solution pour eux? Enfin, en tout cas pour l'aîné, je crois. Oui. Quand vous lui avez expliqué que ben, si c'était ça son choix de vie, quoi, même si un drogué souvent est quelqu'un de malade. C'est quelqu'un de malade. C'est une maladie. Qu'il fallait partir. C'est vrai que ça ne s'est pas fait comme ça. En fait, on a supporté et subi ces frasques et ces crises pendant des années, jusqu'à un jour avoir connaissance d'une association. Qui aide les toxicomanes, mais surtout qui aide les parents de toxicomanes hein, à réagir et à vivre avec ce problème. Donc on s'est rapproché de cette association qui comprend un groupe de parents, tous concernés par le problème. Et c'est au sein de ce groupe et avec l'aide de ce groupe que nous avons donc pris la décision de ne plus aborder ce problème de la même façon. Il y a une autre façon d'aborder le problème de la toxicomanie que tout subir et que tout accepter. Hein. Donc première chose, déjà, le fait de fréquenter des parents qui ont les mêmes problèmes que les vôtres,
c'est tout à fait, au début, c'est complètement génial, parce qu'on peut raconter nos problèmes et nos histoires, et en fait, on se fait pas juger, et on tombe sur des gens qui nous disent, bah oui, ben nous, c'est pareil, c'est la même chose. Bon, déjà, première chose, on n'est plus seul. Bon. Seconde chose, accepter que son enfant, ben voilà, il est dépendant. Nous, on dit plutôt dépendant. Il est dépendant, ben voilà, il est comme ça, il a une maladie, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme on avait pensé qu'il serait. Ça veut dire accepter, faire le deuil de l'image qu'on avait de lui. Mmh. Hein? Donc voilà, il est ce qu'il est, mais il est autrement. Hein? Donc, on n'est plus seul, on accepte. Ne plus se sentir coupable, parce qu'on apprend enfin que c'est une maladie. Comme l'alcoolisme. En est une, oui. C'est une maladie, donc ça veut dire... C'est vrai qu'on dit malade alcoolique, on pourrait dire malade drogué, quoi. C'est pareil, plus vite, hein. C'est la dépendance. Le jeu aussi. Le jeu pathologique, voilà. Est une maladie. C'est une dépendance. Hein. Donc on est, bien sûr, concerné par la maladie de son enfant, mais on n'en est pas responsable. Alors donc, du fait que vous n'avez plus ce sentiment de culpabilité, vous n'avez plus non plus le sentiment de honte. Bon, très important. On a déjà fait un grand cheminement. Oui, ça. Voilà. Ça va mieux déjà. Alors après, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Oui, parce qu'une fois que vous avez accepté l'idée, en tout cas, que ça pouvait arriver. Mais ça arriver, va mieux, quoi. Ça. Ouais. Ça prend très longtemps déjà. Ouais, ouais. Ça va mieux. Alors après, on dit, voilà, il faut aider notre enfant. Bon. Il faut également accepter le fait que nous, on est impuissants à l'aider. Hein. Le père et la mère sont les plus mal placés pour aider leur enfant toxicomane, puisqu'ils sont englués par leurs sentiments et il y a les problèmes affectifs qui se posent. On ne peut pas aider son enfant toxicomane. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc l'amener à ce que lui demande de l'aide. Hein? Alors là, pour l'amener à ce qu'il demande de l'aide, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à lui mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire qu'on va lui poser des problèmes dans sa consommation et on va commencer à lui poser des limites. Et on va commencer justement à ne plus tout accepter. Dans son comportement. Voilà. Alors, le titre de votre émission, c'est... Rappelez-le-moi. Jusqu'où peut-on aller par amour, voilà, pour ses enfants, hein. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est plutôt jusqu'où peut-on ne pas aller par amour pour son enfant. Voilà. Et justement, de ne pas tout accepter, quoi. Pas tout accepter. Ça veut dire, à un moment donné, ben, c'est sa peau, c'est pas la mienne. Ça veut dire le mettre dehors, alors qu'il est malade. Le mettre dehors. Ça veut dire opérer un processus de rupture. Ouais. Il a 18 ans, on a attendu quand même qu'il soit majeur. C'est très, très dur. Hein. Ça veut dire penser à nous, vivre pour nous, se préserver. Se préserver pourquoi? Tout simplement pour être bien dans sa peau au moment où il demandera de l'aide. Parce que si on sombre avec lui dans sa galère, on n'est plus jamais en mesure de l'aider. Voilà, ça passe par tous ces chemins-là. Vous avez des nouvelles de lui? Vous savez où il est, ce qu'il fait? On le voit par intermittence, en pointillé. Je sais qu'il est vivant. Ce n'est pas le cas des enfants de certains amis qui viennent nous voir. Puisque au groupe parents, donc, nous avons des amis qui ont perdu leur fils, par exemple, qui continuent à venir nous voir. Bon, le nôtre, il est vivant. Donc tout espoir est permis. C'est le nom de l'association, d'ailleurs. Espoir du Val d'Oise. Hein, donc ça veut dire qu'on espère, bien sûr. Oui, madame, vous racontez ça avec beaucoup de pudeur, vous n'êtes pas en train de dire « mais j'ai beaucoup de sentiments pour mon enfant, etc. » Mais je pense qu'on comprend derrière les mots que vous en avez énormément, que vous avez lutté contre une forme d'instinct maternel dont on a évoqué tout à l'heure. Absolument, c'est ça mon sacrifice à moi. Mon sacrifice à moi, c'est justement de rompre avec mon instinct naturel de mère qui me pousse à aller au-devant de mon enfant malade. C'est ça mon sacrifice à moi. C'est clair, Odile. Entre les mots, on a tout compris. Merci. Jean-Pierre Castaldi va nous rejoindre pour la conclusion de cette émission. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous garderez de cette émission? Tout le monde parle avec tout le monde, etc. Il y a beaucoup de souffrance qui a été exprimée. C'est une émission qui est lourde. Il y a beaucoup de tolérance aussi. Oui, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, que d'amour. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est qu'on a un petit peu tous les extrêmes de ce que monsieur tout le monde côtoie en permanence. Des fois sans le savoir, des fois sans le savoir. Une forme de maladie... pas évidente à déceler, parce que c'est vrai qu'il y a certaines maladies qui sont difficiles à déceler, surtout quand elles sont de l'ordre du cerveau. Des parents qui découvrent en cours de route que leur enfant, il est malade, qu'il n'est pas comme les autres. Des enfants qui vont aller vers la drogue
ils l'ont expliqué, on ne le voit pas venir, et c'est tous les jours, tous les parents disent la même chose, on ne voit pas le début de la drogue. Le père qui perd son enfant, enfin qui perd son enfant, qui demande à voir son enfant, c'est une histoire que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup touché, parce que c'est très près, finalement, quelque part, des pères qui divorcent, qui ont des droits de visite, et des mères qui les empêchent quelque part de voir les quand enfants. Quand ils divorcent dans la difficulté, oui. Dans la difficulté, on a un petit peu les extrêmes de madame qui fait un parcours d'amour jusqu'à se nier, jusqu'à s'oublier, c'est-à-dire jusqu'à vider sa tête, et qui nous a donné le résumé de cette douleur, c'est que le premier geste de l'amour, qui est celui de toucher son enfant, elle se l'interdisait. Une autre dame nous a dit, on ne se touchait pas, on ne se disait pas qu'on s'aime dans le temps. Alors donc, cette émission, elle va être formidable, parce que ceux qui vont la regarder vont devoir penser à la chose numéro un. Il faut les aimer, il faut les toucher, il faut les comprendre. Il faut leur dire. Il faut leur dire. Et ils ne sont pas faciles à débusquer dans leur cheminement. Mais ils ont montré l'amour des parents à l'extrême. Mais malheureusement aussi, ils ont montré les limites de l'amour. C'est-à-dire que je crois que madame, qui est la dernière à avoir témoigné, elle est aussi dans une vraie vérité. C'est qu'à partir d'un certain moment, peut-être, pas dans tous les cas ici, mais globalement, je voudrais qu'on l'admire beaucoup parce que c'est celle qui demande peut-être le plus de courage aussi. C'est celle de dire non. C'est une conclusion brillante, Jean-Pierre. Je suis malade, là. Oui, ça vous a... Je suis malade. Vous savez que j'aime bien rire. Et, que, et faire rire. J'ai fait rire, mais là, je... En plus, je vous dis, quand on a la chance d'avoir des enfants qui grandissent et qui s'épanouissent, je pense en premier à la maladie, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de terrible. Il y a une dominante aussi chez tous ces parents, c'est qu'on se rend compte qu'à différentes époques de la société française, les gens n'avaient pas un entourage. Ils ne pouvaient pas parler. On se rend compte que madame ne pouvait pas parler, elle n'avait pas de famille, elle n'a peut-être pas rencontré toujours les bons psys qu'il fallait, parce que je pense sincèrement qu'il y a des choses à faire. Lui, il fait une culpabilité, et on l'a dit, c'est une maladie, donc il n'y a pas à être coupable d'être malade, et si son enfant est malade, ce n'est pas forcément de sa faute. Madame a peut-être pour moi la chose qui est le plus difficile à imaginer, si mon fils revient en disant qu'il y a une femme, je ne veux même pas y penser, je veux dire, c'est bon... Et en même temps, quel amour. Mais vous avez aussi dit la chose, la clé. J'ai pas voulu écouter, donc, messieurs qui nous regardez là, écoutez vos enfants, parce que les messieurs, signes... Mesdames, hein, vous... Messieurs, mesdames. Messieurs, mesdames. Mais les pères aussi, il faut qu'ils... Bien sûr. Les dames, c'est on sait qu'elles écoutent. Ouais. C'est souvent les pères qui sont pas là. Et donc, il y a des signes comme ça, avant-coureurs, qu'on veut pas entendre. Et ce que vous avez dit est magnifique, parce que j'ai pas voulu l'entendre. Donc nous, parents, qui avons la chance d'enfants qui sourient, qui s'amusent et qui sont à peu près, qui ont l'air normaux, en tous les cas, il faut qu'on soit quand même tout le temps à leur écoute. Parce que quand on découvre le problème, j'ai l'impression que c'est trop tard. Enfin, que c'est un petit peu trop tard. Et l'histoire de madame, c'est dommage qu'une 68arde n'ait pas pensé à faire une main levée sur le compagnon de sa fille. Mais c'est vrai que c'est une démarche qu'on n'ose pas faire. Mais je veux dire, parce que vous, ça, c'est sanctionné par la pire des sanctions, qui est le départ de l'enfant, qui est quelque chose qu'on peut, sans culpabilité, envisager pour soulager la douleur. Il faudrait que les téléspectateurs le comprennent, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est impossible. Et c'est un homme de cinéma qui est mort il n'y a pas longtemps, qui disait à la mort de son fils... Il n'y a pas de mot dans la langue française pour dire la douleur qu'éprouve un père ou une mère quand il perd son enfant. C'est la plus grande injustice de la Terre. Voilà. Merci Jean-Pierre, c'est une très belle conclusion. Jean-Pierre est au théâtre des Nouveautés. Oui, joue Madame est sortie. Merci. Merci à tous, à mercredi prochain si vous le souhaitez. Bonne soirée quand même. À suivre. Merci. Nous préparons une émission sur la vengeance. Victime d'une trahison amoureuse, vous vous êtes vengé de façon tragique ou cocasse. Vous avez réussi à pardonner à votre agresseur ou celui d'un de vos proches. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.